Soyez toutes et tous les bienvenus sur la chaîne L'Équipe pour suivre les meilleurs moments d'une épreuve mythique, les 24 heures camion. Nous sommes donc dans la Sarthe pour suivre cette 35e édition où 8 constructeurs et pas moins de 40 mastodontes sont engagés. Un week-end de compétition exceptionnel où les championnats de France et d'Europe célèbrent l'avant-dernière manche de leur saison. Les titres 2019 sont loin d'être joués. Attachez vos ceintures, les camions sont dans la place. Bonjour à tous, je suis Théo Calvé, pilote du camion numéro 20 Lyon Truck Racing. Je vous présente un camion de course. Ces camions développent 1200 chevaux et font 5 tonnes 4. Boîte de vitesse 16 rapports, vitesse de pointe 160 km/h bridée et une accélération digne d'une GT3. Je vous embarque pour un tour du circuit Bugatti. Droite des stands, à fond, 160 km/h. Si je viens me serrer le plus possible à gauche pour pouvoir passer à fond dans ce grand droite. Freinage, gros freinage, rétrogradage de vitesse 7 grande. Ici on va essayer de la repasser la plus tôt possible. Voilà, passage en 8 grande. On réaccélère sous le Dunlop. Gros freinage à nouveau dans cette descente. On garde un filet de frein pour pouvoir ressortir le mieux possible. Ici, on est à fond. Long gauche. On va chercher la corde le plus tard possible pour pouvoir ressortir le mieux. Ici à fond, 160 km/h. Et là, freinage assez brutal, rétrogradage en 7 grandes. Être le plus propre possible sur ce double droite. Et là, passage de vitesse 8 grandes à fond. Longue ligne droite. On va arriver sur la chicane du chemin au bœuf. On lâche les freins le plus vite possible pour pouvoir être accéléré comme il faut, être à fond dans cette chicane. Maintenant, enchaînement de virages assez technique. Donc ici, une assez grande droite où il faut rester bien terre possible pour pouvoir être placé comme il faut pour le virage d'après. Le circuit du Mans est un circuit qui est vraiment technique, donc plus on passe calme dans les virages, mieux c'est. Gros freinage à nouveau ici, de double droite avant de réattaquer la ligne droite des stands. Et au plancher, on est à fond. Nous sommes donc sur le circuit du Mans Bugatti pour découvrir les plus belles images de cette édition 2019. Et pour vous commenter cette épreuve, j'ai le plaisir de retrouver notre consultant Fabien Calvet, vainqueur des 24 heures camion 96 et président de la commission camion à la FFSA. Bonjour Fabien. Bonjour Anthony. Alors on va avoir 2 heures pour décortiquer cette 35e édition des 24 heures camion, disputée devant près de 60 000 spectateurs et qui mettent comme l'an passé 2 championnats à l'honneur, le championnat de France camion FFSA, dont le promoteur est France Route, ainsi que le championnat d'Europe des courses de camion FIA. Et dans chacun d'entre eux, Fabien, une femme pilote est engagée. Jennifer Janiek en France, Stéphie Halm en Europe. L'Allemande est d'ailleurs bien connue chez nous. Oui, elle a été 2 fois championne de France au sein du Lyon Truck, donc une écurie de référence en France. Et aujourd'hui, elle brille. Elle est positionnée de leader sur le championnat d'Europe, donc les femmes à égalité des hommes. 8 constructeurs engagés, un record d'affluence cette année. Les 24 heures camion, c'est avant tout une ambiance festive et familiale, Fabien. Oui, c'est un grand rendez-vous du monde de la route et pas que.
eux, puisque ça crée des vocations. Il y a aussi beaucoup de constructeurs qui sont là pour montrer leurs produits. C'est très convivial comme ambiance. Et puis on a vraiment un héritage des courses, épreuve qui a été créée en 1981, qui ne cesse de croître. Je crois même que l'on peut venir sur les manches du championnat de France camion et repartir à la fin du week-end, si tout va bien, avec un emploi à la clé. Oui, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans le milieu du transport, pas que dans la conduite, mais aussi dans la mécanique. Et c'est vrai que nos rendez-vous sont aussi des grands pôles emploi et beaucoup de sociétés sont là pour attirer de nouveaux employés. Alors avec 8 courses au programme dans le week-end, le spectacle en piste ne manque pas évidemment. Les pilotes du championnat d'Europe FIA ainsi que ceux du championnat de France FFSA ont 4 courses chacun pour se départager, avec une petite particularité quand même cette année, Fabien, la météo qui a joué quelques petits tours aux pilotes pour, allez disons, pimenter la sauce. Oui, surtout qu'il n'y avait pas eu d'essai sous la pluie, donc la météo elle fait partie du jeu. C'est vrai que bien, ça vient en effet pimenter et on l'a vu ce week-end. Et on voit donc dans le village tout ce qui se passe avec les petits comme les grands, évidemment, qui sont accueillis. L'ambiance familiale, c'est vraiment ce que veut France Route pour l'ensemble de ces courses du championnat de France camion. De camions et la proximité des pilotes et des équipes avec le public, et cela sur l'ensemble des 5 manches du championnat de France dont, on vous le rappelle, le promoteur est France Route. Fabien, c'est vrai que le paddock est très ouvert. Oui, c'est d'une volonté, vous achetez votre billet d'entrée puis vous pouvez aller partout, il n'y a pas de zone exclusive, on n'est pas dans la F1, on se veut proche des gens, les pilotes, les équipes, tout le monde, c'est une certaine communion dans le paddock, et beaucoup d'enfants, c'est un public familial. Et on redécouvre, si vous ne le connaissez pas, le calendrier 2019, une saison qui a débuté en mai sur le circuit Paul Ricard et qui se conclura à Albi la semaine prochaine. En tout, 5 grands prix organisés à travers l'Hexagone. Il ne reste donc plus que 2 épreuves à disputer pour connaître le nom du champion, Fabien. Et c'est un certain Tony Jamier qui est en tête. Oui, double champion en titre et puis leader pour l'instant au provisoire. Donc c'est très serré encore cette année. Et on voit aussi les batailles pour le podium. Et pour compléter le podium, ça ne va pas être facile cette année. Théo Calvet, le plus jeune pilote du championnat, face à Thomas Robineau et Lionel Montagne, 2 anciens champions et 2 équipes mythiques, évidemment. Oui, évidemment, deux équipes de référence, mais on voit que les jeunes sont là, ça pousse derrière et c'est plutôt pas mal pour le renouveau du championnat. On aperçoit les images du team Robineau qui accueille donc Thomas en son sein. Et puis évidemment, Aravi Racing qui a fêté ses 30 ans avec notamment la famille Montagne au volant, Lionel Montagne, qui a accueilli d'ailleurs son fils Yorick. On va avoir de belles batailles. Un championnat de France qui ne cesse de croître, la grille est pleine pour cette 35e édition des 24 heures camion. 28 pilotes engagés, des équipes fidèles de la compétition depuis des années. TCS, Team 14, VTR, Team Truck Toulousain, Créteil Camion de Course, Éclair Vert Toulousain, Team CCV, Camion de Course et Peutois. Sans oublier évidemment, Fabien, les 4 lycées, car un trophée leur est consacré cette saison. Oui, ça c'est aussi un des points forts de notre championnat, des projets pédagogiques avec les lycées. 4 lycées engagés, 5 camions au Mans là, ici. Alors lycée évidemment Galliani de Toulouse, mais le lycée Béjuy, le lycée de Mézène, d'Alençon qui était précurseur, et le petit dernier Camille Degas de Chalon-sur-Saône qui a rejoint la file, et on en a encore en attente, donc la liste devrait grossir. Ah mais ça, on est vraiment ravis, justement c'est ça le côté positif, parce qu'il y a de vraies évolutions. On a aperçu d'ailleurs le camion numéro 6 du lycée Camille Degas qui a fait donc son apparition avec Guillaume Martin, son pilote, et certains ex-lycéens mécaniciens ont d'ailleurs évolué ensuite vers d'autres équipes, entre autres le Lyon Truck Racing dont nous allons découvrir d'ici quelques secondes maintenant son pilote, Anthony Janiec, avec le camion numéro 1, double champion en titre, lui qui a fait ses débuts en camion en 2007. Il n'y a pas besoin de nous mettre un couteau sous la gorge pour venir ici. Ça reste un des plus beaux rendez-vous de la saison. Les 24 heures camion sur lesquels on va essayer de se placer sur la plus haute marche. Voilà, on a un petit peu d'avance au championnat, mais il reste encore, à partir de maintenant, il reste 8 départs, 4 au Mans, 4 à Albi, et voilà, le but reste mathématiquement de rester devant.
cette année, je pensais vraiment qu'avec Thomas, on remettait le couvert et qu'on allait se battre jusqu'à la dernière course. Puis il a perdu quelques gros points à Nougaro, j'ai pris un petit peu le large et puis vient d'émerger Théo, mon coéquipier. Et c'est vrai que Théo, aujourd'hui, il essaye de défendre encore cette deuxième place. Ça va être compliqué. Thomas a beaucoup d'expérience, connaît bien Le Mans. Je bénéficie aussi d'une petite chance, c'est que derrière, on se partage un petit peu les points, oui. Allez, nous y sommes. Place à l'action désormais avec la première des quatre courses du championnat de France camion FFSA. Et dès les qualifications, Fabien, nous avons assisté à un coup de théâtre puisque le man numéro 1 d'Anthony Janiek a été victime d'un ennui mécanique. Oui, ça arrive, ça fait partie de la compétition et ça arrive même au meilleur, une rupture d'une biellette de direction. Et donc Anthony est cloué au sol, impossible de participer aux essais. Donc il part de la dernière position. Mais bon, c'est le sport mécanique, on connaît la règle, c'est pour tout le monde la même chose. Janiek, 21e sur la grille de départ. C'est donc le local de l'étape et triple champion de la discipline, Thomas Robineau, qui en profite. Le Sartois part en pole devant ses deux adversaires au classement général, Théo Calvet et Lionel Montagne, sur son Renaulté de l'équipe Aravi Racing, qui ne cesse de progresser d'ailleurs. Oui, le Renaulté qui est apparu l'année dernière et qui est maintenant au point. Lionel a déjà remporté déjà deux courses, donc, ou trois courses même. En tout cas, c'est vrai qu'un camion qui progresse. Les spectateurs sont venus en nombre, peut-être pour soutenir le Manceau. Le fait qu'Anthony ait abandonné, je ne sais pas s'il aurait fait meilleur chrono que moi, mais bon, c'est vrai que ça m'a facilité pour être en pôle. Alors du coup, maintenant, on fait un départ. Je pense que c'est la première fois de la saison qu'on fait un départ avec Théo en pôle. Donc on va voir ce que ça va donner au premier virage. Mais je pense que ça va être assez serré parce que Théo, il roule pas mal. Donc ça va faire une belle course. Les pilotes sont en formation et c'est parti, Fabien, pour ce départ lancé. Alors voilà, un départ lancé, c'est la spécificité aussi. Oui. Et tout simplement parce qu'il y a 1200 chevaux sur les camions et si on accélérait un départ arrêté type F1, eh bien la mécanique ne résisterait pas, alors que là, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour les mécaniques. Beaucoup plus simple par contre au premier virage à chicane d'Alop, on sait que c'est toujours compliqué, Fabien, avec le camion rouge de Thomas Robineau qui essaie de faire l'intérieur sur Théo Calvet. Est-ce que le jeune français va résister? C'est ce qu'on va voir derrière. Attention, oh, Aurélien Argote qui part en tête à queue. Alors là, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de liquide sur ses roues arrière. Non, je sais pas, il est parti vraiment tout seul, hein, semble-t-il. Oui, c'est toujours serré au départ et la moindre touchette peut faire glisser. On voit derrière Souza aussi en travers. Là, la moindre touchette fait glisser le camion. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 tonnes. Donc la dérive est rapide et facile. Alors on a vu aussi le superbe duel entre le camion numéro 3 de Lionel Montagne et le camion numéro 24 de son fils Yorick. Donc on a vraiment plusieurs bagarres. Le 2, c'est donc Thomas Robineau à domicile. Il est en tête devant Théo Calvet, génération 2.0. C'est ça le numéro? Ben oui, c'est la raison. Le 2.0, c'était le designer qui avait fait le numéro 20 pour Génération 2.0. Et puis derrière, on a la Génération Montagne avec Lionel, le papa, numéro 3, et le 24 de Yorick Montagne. On roule souvent en famille. Oh, alors qu'on revoit ce qui s'est passé. Ah oui, il est parti tout seul, hein, sans contact, Aurélien Argote. Dommage pour le jeune pilote prometteur qui vient du karting. Oui, le transfert, le grand écart, hein, parce que du karting au camion, autant dire que c'est le grand écart. Ah, ce week-end, il y avait quand même les 24 heures karting. Donc on va dire qu'on essaye, en tout cas, à la CO et à France Route, de mettre des passerelles entre les différents camions. Et on va s'intéresser au camion fluo, juste derrière, Fabien, si tu le veux bien, avec Anthony Janiek, tout simplement. Il partait 21e, il est déjà aux portes du top 10, derrière Yvan Rodriguez, camion 94, et Patrick Châtelain, camion numéro 31. Oui, alors c'est jamais évident, hein, d'évoluer dans le trafic. Il faut être très prudent parce que c'est vrai que si Anthony a un camion supérieur et un différentiel de vitesse assez élevé, il faut quand même faire attention aux autres concurrents lorsqu'on revient vers la tête. Oh là 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 là, le drifter José Souza. Eh bien, heureusement, il a évité Ostasevski. C'était vraiment très très juste. Et tiens, Janiek a passé Patrick Châtelain et il va s'attaquer maintenant à Yvan Rodriguez. Alors, on va évidemment le rappeler. Les grilles sont inversées. La bagarre pour la 8e place va donc être importante, Fabien. Oui, voilà, c'est surtout le résultat de la 1 va donner le départ de la 2. Donc c'est vrai qu'il faut remonter au maximum pour retrouver les places de tête. Alors, Thomas Robineau en tête, camion numéro 2, on l'a dit, Théo Calvet en deuxième position. Et derrière, on a Lionel Montagne suivi par Yorick. Quel début en camion également pour Yorick Montagne. Ce n'est que sa deuxième saison et même pas à temps complet. Oui, pas à temps complet. Il est arrivé l'année dernière pour une première à Magny-Cours et il s'en sort plutôt bien. Alors, c'est vrai que lui aussi, il a toujours évolué et grandi sur les paddocks. Donc, ça doit aider quand même ses pilotes à se sentir bien dans les baquets. Ils sont déjà dans l'atmosphère, on va dire. Ah, ça, c'est clair. Ils y sont. Alors, Janiek qui a des
passé Ivan Rodriguez et qui maintenant s'attaque à Franck Conti. Très fair play Franck Conti, pourquoi n'a-t-il pas trop résisté là? Non, il n'a pas de raison, en plus Franck est de nature très, très fair play, mais de toute façon il sait très bien qu'Anthony est rapide, il faut qu'il remonte, il était derrière à cause d'un souci mécanique, donc aucune raison de bloquer, il y a quand même beaucoup de bon sens dans la majorité des pilotes. Alors on rappelle quand même le nombre de points, il est déjà dans les points Anthony Janiak, hein, course 1 et 3, on marque 20 points pour la victoire, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 et 1, donc les 10 premiers marquent des points, mais il ne veut pas s'arrêter là Anthony Janiak, il attaque Raphaël Souza qui lui aussi est très fair play. Oui, mais c'est sûr que quand on a une casse mécanique comme ça aux essais, c'est rageant, mais bon, il faut essayer d'engranger le maximum de points et d'obtenir une bonne position de départ pour la deuxième, c'est ce que fait Anthony là sur cette course 1. Oh là, attention avec notre drifter, on va le revoir à plusieurs reprises hein, dans le programme, c'est le Scania Zaki du Toulousain, et oui, Christophe Michel, il nous régale à chaque fois, il régale le public, il est vraiment le favori hein, des foules. À l'applaudimètre, c'est clair, il est le premier. Alors on voit également, tandis que le papa d'Aurélien Ergot est concentré dans les stands, plusieurs caractéristiques de camions. On a les cabines avancées, comme les différents camions qui sont au devant de la scène, je dirais. Et puis on a des longues noses. Est-ce que ça change quelque chose, ça, Fabien? Oui, en répartition de poids, notamment sur les freinages, le transfert n'est pas le même, hein, puisqu'on n'a pas de basculement du poids vers l'avant. Il vient plutôt écraser le camion. Alors il y en a très peu, parce que tout simplement en Europe, on a des camions à cabine avancée, comme vous les voyez sur l'autoroute, alors que les camions, à l'image là, de Franck Conti, sont des camions américains, donc ont plus tendance à être avec ce capot, ces deux cultures différentes, mais en course c'est vrai que camion à capot ça a un petit avantage. Christophe Michel lui a l'avantage en tout cas de faire des drifts, je ne sais pas si ses pneus sont adaptés, il fait le show en tout cas, mais c'est maîtrisé hein, par le fils de Jean-Marc Michel, champion 95 d'ailleurs en Super Truck France. On a vraiment le côté spectaculaire hein, qui est bien apprécié par certains pilotes. Oh, alors que Aurélien Ergot est en difficulté, oui, on sentait bien que côté mécanique c'était pas forcément ça sur le DAF numéro 68. Ouais, un week-end difficile hein, pour Ergot, le Mans pas mal de soucis mécaniques, c'est dommage parce que c'est vrai qu'Aurélien a un très bon coup de volant et l'équipe mérite de progresser, et c'est vrai que bon, ils y travaillent et je suis très confiant sur l'avenir de cette équipe. Ouais, je crois qu'il y avait un petit réservoir, un petit récipient je dirais à l'arrière qui est tombé. Alors de quoi s'agit-il en fait ça, Fabien, à l'arrière des cabines? Alors il y a plusieurs types de récipients, j'ai pas vu sur l'image, mais on a ou le boîtier de direction, l'huile du boîtier de direction, ah oui. Et généralement voilà, c'est ça, et après on a une perte de pression dans la direction, c'est hydraulique, donc plus de force dans la direction. Donc ce ne va pas fort hein, comme on l'a dit, pour l'équipe camion de course francilien qui va essayer de se rattraper pour la deuxième. En tout cas en tête c'est la confiance hein, pour Thomas Robineau devant Théo Calvet et Lionel Montagne. Attention derrière, il revient comme un boulet de canon Anthony Janiak face à Yorick Montagne qui roule quand même, on le rappelle, dans le camion qui était utilisé autrefois par son papa. Oui, un très bon véhicule, et c'est vrai que si au départ Anthony remonte très vite sur les premiers, bien sur la fin c'est plus difficile parce que évidemment le niveau est plus haut, le rythme est plus élevé, donc c'est pas aussi facile. Allez, les 15 premiers ça va vite, mais les suivants on bute un peu sur les concurrents parce que là on se bat et on est quasiment dans les mêmes chronos. Alors est-ce qu'à l'instar des courses de monoplace, de GT par exemple, on a aussi une liaison radio entre les équipes? Oh, attention, Yorick Montagne qui s'est un peu déconcentré et qui laisse peut-être passer Anthony Janiak. Oh là là, Janiak mieux placé dans ce virage là, mais attention parce que juste après au musée, Fabien, il va être bien placé Yorick Montagne. Oui, mais là c'est un peu la jeunesse contre l'expérience hein. C'est vrai qu'Anthony est venu mettre la pression sur Yorick, on l'a vu un peu sous-virer là sur le freinage, il en est profité pour passer. C'est un peu le jeu, et puis on voit que l'expérience fait la différence. Ah oui, là il a bien su en profiter Anthony Janiak. Et oui, je vous disais et je te disais Fabien, est-ce qu'il y a des liaisons radio justement entre les pilotes et les équipes? Oui, tout à fait, comme dans les courses automobiles F1 ou GT ou autre, on est en liaison avec les stands, et c'est vrai que ça aide parfois le pilote à donner sa position, à voir, parce que le pilote ne voit pas forcément. Alors évidemment si les leaders, il voit bien qu'il est premier, mais quand on est dans un cas comme Anthony, ils peuvent lui donner les écarts, voir combien il lui restera à rattraper, à grignoter, s'il est bon autour et comment sont les autres. Ça donne des indications au pilote, c'est clair. Oui, et puis s'il est par exemple, alors pour Anthony Janiak c'est pas forcément l'objectif, mais s'il est 9e le pilote, bah, il va peut-être attaquer pour être 8e et donc avoir la pole position de la course numéro 2. Exactement, et ça leur permet surtout de voir les écarts qui les séparent des autres.
Alors on voit aussi quelques fumées qui viennent des essieux avant. Alors ça, c'est la spécificité du camion. Qu'est-ce qui se passe là? Alors il n'y a rien de polluant, hein. C'est bon. Qu'à ce moment c'est à la mode. C'est la vapeur d'eau, parce qu'on pulvérise de l'eau sur les freins avant. Et il suffit que la différence, si l'air est un peu frais, la différence de l'eau qui vient sur les freins chauds, eh bien ça fait de la vapeur d'eau, mais c'est juste de l'eau et il n'y a rien de grave. Oui, parce que les freins sont des freins de série en fait. Alors, les freins des camions sont des freins de série, tout simplement parce qu'un véhicule de série fait plus de 40 tonnes et roule à 90, et là on n'a que 5 tonnes pour 160, donc ça suffit amplement, il n'y a pas besoin d'utiliser des carbones ou autres matériaux très spécifiques. Le frein classique de camion fonctionne très bien. Donc on maîtrise aussi les coûts, et ça c'est vraiment l'objectif aussi du promoteur. C'est l'objectif principal, rester sur un règlement assez strict qui ne fait pas exploser les coûts des saisons. Alors par contre, on n'a pas forcément d'aspiration parce que ces camions sont quoi, limités en vitesse? Nous sommes limités à 160 km/h pour une raison de sécurité. On parlait du poids, hein, 5,4 tonnes pour les véhicules. Donc le ratio 5,4 tonnes, 160, c'est déjà une force, fait une énergie cinétique importante. Donc depuis tout temps, les courses de camions étaient limitées à 160 et nous contrôlons via un système GPS d'une société française qui nous permet de voir en temps réel si les camions passent la vitesse, et si tel est le cas, ils sont immédiatement pénalisés. Il y a une tolérance quand même un petit peu ou pas? Zéro tolérance. Ah, d'accord, ok. Donc on est comme en Suède, vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs. En tout cas, pour l'instant, tolérance zéro non plus pour Thomas Romino, qui ne laisse aucune chance à ses adversaires. Et par contre, remontée fantastique. Hein. Théo Calvet résiste bien face à Lionel Montagne, mais derrière, Anthony Genier qui est déjà là. Il est parti 21e. Oui, et puis Thomas profite un peu justement de la bagarre entre Théo et Lionel, hein, puisque quand on est un peu en bataille, eh bien, on perd du temps. Hein, et lui, Thomas, à contrario, il a piste libre devant et on le voit là sur les images. Et pour l'instant, Théo Calvet est résistant face à deux champions, hein, juste derrière lui. On a un double champion, Lionel Montagne, en 2011 et 2012. Et puis on a un double champion également, Anthony Genier, peut-être en route vers un troisième titre. Depuis 2017, c'est lui qui est au sommet de la hiérarchie. Donc il faut avoir les épaules solides, hein, quand même, pour résister. Oui, il a prouvé à Charade le week-end avant Le Mans. Théo avait résisté à Thomas Robineau sur deux courses. C'était très, très disputé. Et on voit que les jeunes prennent de la maturité. On l'a vu tout à l'heure avec Yorick. Chaque course, ils acquièrent de l'expérience. Et ça les fait progresser au classement général. Et on est dans ce dernier tour, plus que quelques virages pour Thomas Robineau, qui se défait de David Michelin, ancien camion de Franck Conti. On reconnaît les couleurs du team TCS évidemment. Et Sébastien Descoffres, très très fair play les deux hommes, hein, qui se font prendre un tour mais qui restent vraiment en dehors de la trajectoire. Ouais, là aussi, bon, avec l'aide des commissaires et des drapeaux bleus, les pilotes ont des indications et il n'y a aucune raison de bloquer, tandis que derrière on voit les tribunes qui étaient pleines ce week-end, vraiment fantastique public au Mans. Oui, encore une fois l'occasion de les remercier et de célébrer la victoire de Thomas Robineau, sa deuxième de la saison dans cette première course du jour. Il s'impose donc devant Théo Calvet, Lionel Montagne et Anthony Genier, auteur d'une remontée fantastique depuis la 21e place. Thomas Robineau qui reprend des points importants dans l'optique de la deuxième place. Et puis celui-là n'a peut-être pas gagné, mais il est acclamé par la foule et par les commissaires de piste. Il s'agit évidemment du Scania Zaki de l'éclair vert toulousain, large vainqueur à l'applaudimètre, comme d'habitude. Allez, on va s'intéresser aux résultats et à la confirmation de la victoire de Thomas Robineau, qui reprend donc 5 points sur Théo Calvet dans l'optique de la place de vice-champion. 7e et 8e, la famille Souza va donc s'élancer de la première ligne de la course 2 à grille inversée. Mais la performance du jour est signée Anthony Janiec, 21e au départ et 4e à l'arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé en qualif? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est un sport mécanique. La mécanique nous a lâché, mais bon, ça arrive. Mais au final, j'ai passé une très bonne journée, moi. Ça fait du bien de rouler un peu sans calcul, sans protéger, devoir prendre un peu d'avance, il n'y avait plus de calcul, c'était bien. C'est la course à l'état pur et moi j'adore ça. Robineau, Calvet, Montagne, c'est donc le premier podium pour cette 35e édition des 24 heures camion, à suivre sur la chaîne L'Équipe. La France place au championnat d'Europe dans le cadre de ses 24 heures camions 2019. Près de 20 camions sur la grille de départ. Fabien, l'histoire du championnat d'Europe est assez impressionnante. Le niveau est relevé. Oui, il y a un très haut niveau. Hein. Depuis les années 90, c'est l'apparition du championnat FIA. On a beaucoup de grands champions et surtout un niveau très élevé avec des bagarres très très serrées, encore plus qu'un championnat de France. 8 manches au programme de ce championnat FIA. Plus de 400 000 spectateurs chaque saison avec le Nürburgring et Le Mans, évidemment, en point d'or.
Borg. On va s'intéresser aussi au classement général après la manche de Zolder. Il reste donc, comme en championnat de France, deux manches à disputer en comptant Le Mans. Et c'est Jöran Hahn qui est solide leader, l'Allemand qui est donc au volant d'un Iveco. Lui en tête, derrière en revanche pour la deuxième place, lutte intense entre le triple champion Antonio Albacete et le Tchèque Adam Lako, titré lui en 2017. Alors ce week-end, les courses du championnat d'Europe sont de 11 tours contre 9 en championnat de France. En ce qui concerne les caractéristiques techniques des camions, Fabien, alors qu'on découvre le classement, c'est assez similaire. Ouais, c'est assez proche, 5 tonnes 3 contre 5 tonnes 4 et une bride de 63 au turbo, 63 mm contre 65 en France, mais un règlement général qui est quasi identique. Et on a 4 marques représentées en Europe, MAN, Mercedes-Benz, Freightliner, Iveco. L'occasion donc, en parlant d'Iveco, d'en savoir plus d'ici quelques instants sur Steffi Halm, l'équipière de Jöran Hahn au volant du numéro 44. On donne un, évidemment, les gars donnent un prénom féminin. Alors le nom de ce camion, c'est Ubi, mais c'est le choix de Gert Korber, l'ancien pilote qui le pilotait avant moi. Donc pour l'année prochaine, je vais trouver un surnom plus sympa, ça je vous le promets. Demandez ça aux autres pilotes, moi je me prends jamais en photo. Alors je dois systématiquement aller aux toilettes avant de monter dans le camion, sinon j'enfile toujours mon gant gauche en premier, ma bottine gauche également. Ce sont mes petits trucs, mais vraiment, le plus important pour moi, c'est d'aller aux toilettes avant la course. On me demande toujours ce que ça fait d'être une fille dans un environnement masculin. C'est assez pénible en fait pour moi, car je trouve qu'il n'y a pas de différence entre les genres. On est des pilotes. Je suis sûr qu'il adorerait parce que nous portons le même numéro. Et je suis sûr aussi que je serais plus rapide que lui, disons sur les 10 premiers tours. Mais bon, il s'amuserait bien plus avec un camion qu'avec sa Formule 1, ça je vous le garantis. Je sens tous les jours. Quand je suis dans ma voiture, je mets la radio et je chante. En ce moment, par exemple, j'aime bien Dance Monkey. Non. Impossible de me souvenir des paroles. Mais je chante de tout, vraiment. Des trucs italiens, les Rolling Stones, Aerosmith. De tout, vraiment, je peux vous le dire, mais je veux pas chanter. Jöran Hahn, c'est certain, c'est le pire des pilotes. C'est pour ça qu'il va remporter un nouveau championnat cette année. Présentation très sympa de Steffi Halm. Nous allons maintenant nous intéresser à la première course du championnat d'Europe. Et c'est son équipier, justement, Jöran Hahn, qui a été intraitable en qualification. On va l'écouter. Vous savez, tout le monde sait à quel point j'aime Le Mans. J'aime l'esprit de la course ici, le circuit, et c'est un plaisir d'être en pole position. Maintenant, il va falloir rester devant, mais je suis content d'avoir Sacha Lenz à ma droite, en première ligne, puisqu'il n'est pas mon plus proche rival au championnat. Donc, je souhaite que la victoire revienne à l'un de nous deux. Hahn devant Lenz, Antonio Albacete est en troisième position sur la grille.
Cette année, Johan est vraiment très fort. On se bat, on essaie de le battre, mais c'est très difficile. Pour le moment, l'objectif est de garder Adam Lacaux derrière. C'est notre principal adversaire pour la deuxième place du classement. On va voir. J'espère que ce sera une bonne course et que tout ira bien pour nous. Adam Lacaux part également en deuxième ligne à droite de l'Espagnol. Leur duel sera à surveiller de près. Troisième ligne 100% allemande avec René Reinhardt et Steffi Halm, deux anciens équipiers. Tiens d'ailleurs, eh oui, ils ne se quittent plus hein, les pilotes. On passe d'une machine à l'autre, mais on reste toujours avec beaucoup de passion, Fabien. Oui, il y aura des transferts suivant les écuries, évidemment. Hein, comme dans toute discipline automobile, et le camion n'échappe pas à la règle. Tour de formation pour cette première course du championnat d'Europe où les concurrents sont derrière un pace truck. On aperçoit donc la différence de gabarit avant de prendre leur tour lancé. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'explications sur le pace truck, Fabien? Alors, le pace truck, en effet, c'est un camion de série. On voit de suite la différence de gabarit. Il est là pour maintenir la meute pendant ce tour de formation. Il va s'effacer juste avant la ligne de départ. Il va éteindre ses gyrophares sur le toit. Ça donnera signe à la meute que ça va partir dans ce tour. Et là, c'est le poleman qui prendra un peu la main sur cette grille. Et il va maintenir une vitesse comprise entre 50 et 70. Alors, on met le pied sur le frein, on fait monter un peu le turbo, on fait monter la puissance, et quand le feu est vert, on relâche tout, et là, c'est lâché. Et ben, à 1200 chevaux par camion, je vous laisse faire le total. Ça fait pas mal de chevaux, tout ça, dans cette épreuve, dans ces épreuves du championnat d'Europe. On aperçoit quelques gouttes de pluie. On vous le disait, hein, ça va venir pimenter cette première course de la journée, avec donc près de 20 camions engagés sur cette grille de départ. Pace Truck, très différent par contre du championnat de France. Oui, ce sont deux pace trucks différents, tout simplement parce que les partenaires sont différents. Là, c'est un pace truck qui roule à l'année sur le championnat d'Europe. Hein. On voit les couleurs du véhicule. C'est lui qui suit toute la saison et c'est le même chauffeur qui fait tous les départs lancés sur le championnat d'Europe. Quelle chance, il fait plein de tours en première position. Allez, plusieurs marques engagées également dans la course et on voit que les différences sont faibles entre Iveco, MAN, Mercedes, Bugira, Scania ou encore Renault. Comment c'est possible ça? Oui, le règlement est très proche pour tout le monde, donc comme il y a des brides, on limite la vitesse, et bien ça regroupe tout le monde, mais ça augmente le spectacle. Ah, et bien le spectacle, on va le voir justement, Fabien, dans quelques instants, avec le départ qui est imminent. Les deux Allemands qui se connaissent bien, Jochen Hahn et Sacha Lenz, sur la première ligne. Normalement, il ne devrait pas y avoir de coup tordu, je dirais, de la part du jeune Sacha Lenz, et c'est parti avec une inverse, hein, on le voit, qui tombe assez de façon assez drue, je dirais. Pour ce départ, il va falloir surveiller la première chicane. Oui, c'est toujours très chaud au moment, hein, parce qu'on arrive en haut à 160, hein, on est au rupteur à 160, donc le premier freinage est toujours très délicat. Alors pour l'instant ça passe pour l'Iveco numéro 1, blanc et bleu derrière, attention, oh là là, c'est l'erreur pour le numéro 37 qui fait deux victimes d'ailleurs, Oli Chen sur le camion numéro 22, mais également Jamie Anderson. C'est Terry Gibbon, hein, le 37, qui s'est complètement raté. Bah, c'est un peu coutumier avec les Anglais, quoi, hein. Là, mais ce qu'il y a de bien là, pour l'instant ils s'amusent entre eux, quoi. Oui, c'est ça. ça perturbe pas trop les autres. Trois Anglais qui ont été donc impliqué. Puis on aperçoit le camion numéro 19, tiens, au fond de peloton, c'est un Français qui fait partie de ce peloton, donc il y a des Européens et donc un tricolore, Dominique Orsini, qu'on connaît bien évidemment en France parce que sa fille et son fils sont engagés régulièrement. Alors pour l'instant sur cette piste, on aperçoit que vraiment il pleut pas mal, hein, ici. Ouh là là, Sacha Lenz qui essaie de se faire une place, c'est pas simple, hein, face à Jochen Hahn. Non, c'est pas simple, et les camions sont très proches en termes de performance, donc c'est vraiment le pilotage qui fait la différence. Mais surtout Sacha, il faut qu'il fasse attention au numéro 23 qui est juste derrière lui, parce qu'en vieux renard qu'il est, Albacete pourrait bien profiter de ces petites bagarres et d'éventuelles erreurs pour éventuellement passer. Sacha Lenz, qu'on connaît aussi en France parce qu'il était venu participer à la finale d'Albi l'année dernière. Il avait été très très bon d'ailleurs, il connaît très très bien Jochen Hahn. On peut penser qu'ils s'entendent très bien. Oui, ce sont des enfants du paddock, hein, tous deux fils de grands pilotes, et c'est vrai qu'ils ont grandi dans cet univers, donc ils se connaissent et se respectent énormément. Et aussi se connaissaient Jamie Anderson et Terry Gibbon. Mais ils boivent peut-être pas l'apéro ensemble. En tout cas, c'est assez fréquent malheureusement avec les Anglais, mais le spectacle est au rendez-vous et le public est ravi. On va peut-être pas les inviter en France, hein, nos amis anglais, ils vont rester en Europe. Allez, premier tour terminé avec Jochen Hahn qui est en tête devant Sacha Lenz et Antonio Albacete. Toujours, les tribunes sont pleines, hein, vraiment, alors qu'il continue de pleuvoir. Est-ce que ça change quelque chose, Fabien, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau? Oui, ça change énormément puisqu'il n'y a qu'une sorte de pneumatique, hein. Il n'y a pas des pneus pluie, des pneus secs. Donc on a évidemment beaucoup moins d'adhérence. Il faut vraiment être très fin, très
au millimètre. Hein. Il faut vraiment être très souple parce qu'évidemment, avec le transfert de masse, la pluie augmente la glisse. Hein. Donc, il faut vraiment faire très attention sous la pluie. On parlait de karting tout à l'heure. C'est un peu un gros kart, en fait. Ce sont des gros karts, ces camions. Oui, ce sont des gros karts parce que tout simplement, l'essieu arrière est bloqué à 100%. Donc, c'est l'équivalent d'un karting. C'est vrai que si on a tendance à accélérer trop tôt ou mettre des coups de volant, eh bien, on a tendance à tout simplement prendre de la dérive et c'est jamais très bon. Non, jamais très bon. Il faut rester en ligne et être efficace pour se relancer. C'est ce qui se passe. Oh là, attention, on aperçoit un marqueur au premier plan. Alors, qu'est-ce que c'est ces marqueurs? Alors, ce sont des marqueurs qu'on vient positionner dans les virages et lorsque les pilotes touchent ce marqueur, eh bien, il y a un rapport à la direction de course qui est faite et on peut éventuellement, au bout de deux marqueurs touchés, enfin premier marqueur avertissement, deuxième marqueur avertissement et au troisième c'est un drive-thru, donc un passage par les stands et là autant dire que la course est ruinée. Oui, donc on est vraiment dans un système FIA, hein. On n'a pas le droit de se laisser aller avec les différentes trajectoires et c'est pareil en France. Hein. Oui, là, les règles sont les mêmes. Alors, que se passe-t-il dans les stands avec l'équipe de René Reinhardt? Week-end qui, on peut le dire directement, va être à oublier pour René Reinhardt, le transporteur allemand. Oui, un gros transporteur en Allemagne. Et c'est vrai qu'au week-end maudit pour lui, alors que normalement, il est plutôt dans les avant-postes, enfin, il joue dans les avant-postes du championnat. Et bien là, problème mécanique, problème de pilotage. Oui. Pas un bon week-end, c'est clair. Ah, il va nous faire le spectacle hein, dans ces deux heures donc des 24 heures camion à suivre sur la chaîne L'Équipe. Et il y en a un autre qui nous fait le spectacle, Jørgen Hahn, qui ne laisse à personne le soin de mener. C'est pas la première fois qu'il est en tête d'une course, hein, Jørgen Hahn. Oui, il a quasiment tout gagné sur les premières courses cette année. Il est vraiment intouchable. Il confirme son numéro 1. Hein. Il est le champion en titre. Et franchement, il domine de la tête et des épaules ce championnat. Alors, on aperçoit les dégâts sur le camion d'Oli James, le 22, l'équipier donc d'Adam Lacaux. Ah oui, ça, c'est vraiment les stigmates de son contact tout à l'heure avec Thierry Gibbon. Ça a été la victime malheureuse, je dirais, pour Oli James qui lui se bat dans un autre classement, la Grammar Cup. Oui, la Grammar Cup, c'est un peu ce que l'on a en France, nous, avec le Challenge Espoir, le titre de pilote espoir. Ça met en avant les jeunes ou ceux qui n'ont pas déjà été classés dans le championnat européen. Donc on laisse vraiment la chance à tout le monde dans ces courses camions. Oui, c'est un peu le but et puis c'est la génération de demain, donc c'est important de les mettre en avant également. Il est bien placé, Oli James. C'est pas le seul, hein, évidemment, à être bien placé dans cette compétition. On va parler aussi de Jimmy Anderson et bien d'autres. Attention derrière avec le camion numéro 14 qui se décale derrière Norbert Kiss, qu'on n'a pas forcément trop vu. Norbert Kiss, ancien champion d'Europe avec son Mercedes et qui a plus de mal cette année. Oui, Norbert est un super pilote. L'équipe est très bien aussi. Il y a une défaillance, en tout cas un manque de performance sur le moteur. Ils sont encore avec une ancienne génération, un moteur d'ancienne génération. Et c'est vrai que bien, ça demande beaucoup d'efforts et d'investissements qui ne payent pas forcément pour l'instant en tout cas. Oui, c'est pas simple. Alors qu'Oli James prend le chemin des écoliers, je dirais, il va très très large dans l'échappatoire, mais il va pouvoir revenir. Paris donc osé pour Norbert Kiss de passer donc de son ancien constructeur à Mercedes. C'était aussi un pari fou de la part de Jørgen Hahn de passer avec Iveco et on voit le succès qu'il a eu. Oui, on voit, ben, les pilotes sont habitués à sortir, je dirais, de leur zone de confort. Hein. Ça a marché pour Jochen puisque Jochen a amené Iveco au titre. C'est plus difficile pour Norbert Kiss. L'implication du constructeur est pas non plus la même. Hein. On sait qu'Iveco, depuis 2-3 ans, s'est beaucoup investi dans les courses de camions et le résultat est au rendez-vous. Donc, mais il reste à Mercedes à en faire de même. Oui, c'est clair. On va mettre la pression. Ça gagne en Formule 1, ça qui a gagné en camion. Allez, on va justement s'intéresser désormais à une bataille un peu plus loin dans le peloton. Justement pour la Grammar Cup, on les a aperçus. Luis Recuenco et Jimmy Anderson. Recuenco, c'est pas le perdreau de l'année, je dirais. C'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, pas forcément sur le circuit. Oui, issu du Rally Raid, un pilote espagnol et lui aussi transporteur de son état, hein. Donc c'est vrai qu'il n'est pas, il n'a pas atterri dans les courses de camions par hasard, mais bon, c'est que sa deuxième saison, mais il apprend et il commence à progresser. On voit course après course, les résultats s'améliorent. Alors l'attaque pour le camion numéro 5 de Norbert Kiss face à André Courcim. Là aussi c'est un jeune pilote, André Courcim qui d'ailleurs roulait je crois avec Mercedes il y a quelques années. Oui, il a démarré chez Tank Pool dans le team où roule actuellement Norbert Kiss et c'est vrai que lui aussi est passé dans un nouveau team qui a vu le jour il y a 2 ans maintenant et sur Iveco et avec pas mal de réussite parce qu'on l'a vu plusieurs fois sur le podium cette année. Alors ça fume un peu quand même, hein, j'ai l'impression, dans le camion numéro 5. Ouais, c'est pas normal, hein. Je vous dis parler de problèmes
problème mécanique. D'habitude, ça ne fume pas comme ça. On voit qu'il y a vraiment un problème mécanique et les performances ne sont pas au rendez-vous, c'est très clair. Ouais, c'est vraiment dommage. Déjà, lors des qualifications, il avait été ennuyé par la direction de course parce que, on le rappelle, ces courses camions, on ne veut pas que la pollution soit au cœur des débats et on sanctionne tout simplement les équipes qui fument. Voilà, tout simplement. Et là, c'est vrai qu'on voit que le moteur est en difficulté et tout simplement, ben, Kiss ne peut pas jouer les avant-postes. Oui, il est en difficulté. C'est bien dommage pour le pilote hongrois alors que derrière, il continue de se battre entre Requenco, numéro 64, et Anderson, numéro 7. Est-ce que l'anglais va pouvoir résister à l'espagnol? Alors que derrière, il y a Klaan Nagelvoort qui est en train de klaxonner. Le pilote néerlandais, lui aussi très fidèle parmi les fidèles dans ce championnat d'Europe. Ben les deux, ils sont habitués là, hein, que ce soit le 64 ou le 7. Tout au long de la saison, ils se sont rendus la pièce à chaque fois. Mais là, ça a été particulièrement chaud ce week-end au Mans. Et puis derrière, on a aperçu le numéro 38. Ça aussi, c'est une nouvelle génération de pilotes. On a la troisième génération des Rodriguez. Oui, c'est plutôt sympa. Le fils de José, qui lui-même était le fils d'Eduardo. Et on les a même vus l'année dernière courir les trois ensemble avec trois camions différents. Et c'était vraiment une belle image à voir. Ouais, c'est le côté familial, hein, on le disait, de ces courses camions ouvertes à tous. Mais c'est vrai que quand on a mis un pied dans le paddock, forcément, on a un petit peu plus de chance, entre guillemets, d'y parvenir. Oh là 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 là, le contact entre Requenco et Jimmy Anderson. Il était optimiste, là, le Britannique, non? Oui, ils sont de tempérament très optimistes, les Anglais. Ah, ben ça devait passer, je comprends pas. Oui, ouais, mais c'est pas, ça doit être le fait qu'ils ne roulent pas du bon côté. Ça doit peut-être expliquer. En tout cas, il a à peine touché l'essieu arrière. Et là, tant mieux. Quelle maîtrise de Requenco, qui a l'habitude peut-être de glisser dans les dunes, qu'il a montré ici au Mans. Oui, il a très bien récupéré son camion, on l'a vu, hein, le simple petit contact, évidemment ça fait partir le camion en dérive, et avec 1200 chevaux, si vous accélérez trop fort à ce moment-là, c'est la pirouette, mais là Requenco l'a très bien maîtrisé, et ça nous a fait des belles images. Ah, ça c'est clair, on est content évidemment de vous proposer ce spectacle. Si vous ne connaissez pas les courses camions, bah, vous le voyez, il n'y a pas de remorque, hein, à l'arrière, ce sont vraiment les cabines qui sont en lutte, et ce sont vraiment des véhicules de haute technologie. Oui, il y a beaucoup de performances, on le disait, 1200 chevaux et des accélérations dignes de GT3. Hein, donc autant vous dire que quand vous appuyez, ça répond. Pousse, hein. Et puis les courses sont relativement spectaculaires. Et c'est aussi pour ça qu'on déplace 60 000 personnes sur un week-end comme le Mans. Ah, c'est clair, 60 000 personnes sur l'ensemble de l'année pour le championnat de France, c'est 250 000, hein, je crois. Oui, un peu plus de 200 000 voilà, sur 5 ou 6 épreuves suivant les années parce qu'on a Manicourt en alternance. Mais en tout cas, on voit les tribunes, elles sont pleines et ça, c'est que du bonheur. Ah, c'est clair, ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est cette lutte pour le gain de la 7ème place seulement entre Kiss et Coursim. Alors Norbert Kiss ne fait pas une bonne affaire, hein, parce qu'au championnat il espère prendre beaucoup plus de points. Ça va être compliqué pour la fin de saison. Oui, c'est très compliqué. De toute façon, dans l'ensemble, son année est difficile, on le voit, le moteur ne marche pas bien, il a souvent des pannes, il n'a pas la puissance qu'ont les autres, donc c'est toujours difficile de se battre au plus haut niveau dans ces conditions. Et pour le présenter un petit peu, on a dit qu'il était champion d'Europe. Il vient des compétitions de simulation également sur console. Oui, il a démarré sur console vidéo, donc ce qui est un peu paradoxal, mais quoi, il est passé du virtuel au réel et plutôt de belle manière, puisqu'il a quand même deux titres à son actif. Ah, non, c'est un très bon pilote. D'ailleurs, tiens, il y a le jeu officiel du championnat d'Europe sans faire de promotion, mais en tout cas, il est sorti et on peut retrouver tous ses pilotes. Donc c'est toujours un beau moment aussi de pouvoir prendre en main ces gros camions. Et c'est assez réaliste, hein, parce que les pilotes ont participé au développement du jeu. Et franchement, il nous dit que c'était plutôt pas mal. Il faut faire pareil, ces réglages. Voilà, il faut refroidir l'eau pour les freins. Donc c'est assez similaire à ce que l'on peut connaître dans la vraie vie. Eh ben, on va pouvoir devenir des héros. C'est marqué sur le pare-soleil de Sacha Lenz. Pourquoi pas, héros donc de la console. Il est pour l'instant en deuxième position, Sacha Lenz, bien placé, on va dire, entre deux anciens champions. Et d'ailleurs, le leader de ce championnat qui a déjà 5 titres à son actif, peut-être 6 ce week-end. Oui, et puis on voit que la fin de course est sur le sec. Hein, ça a aussi changé un peu la donne. C'était là vraiment pour perturber et mettre du piquant en début de course, mais au final c'est plutôt bien passé avec une piste sèche pour la fin de course. Alors est-ce qu'on peut ajuster quand même en trouvant des réglages pluie ou des réglages secs? On peut ajuster sur quoi, Fabien? Non, quand on est parti, une fois qu'on est en route, on ne peut plus jouer, on joue sur la stabilité du camion avec réglages souples ou durs de la barre stable, les amortisseurs, on va dégonfler la pression ou remettre, mais une fois que la course est partie, c'est un pari que l'on fait avant, et là très clairement
ceux qui avaient parié sur le mouillé, eh bien, ont eu tout faux. Et ceux qui ont dit, eh bien, ça va faire sec, eh bien, on voit, ils s'en tirent beaucoup mieux. Il faut avoir de bons météorologues, hein, je dirais, pour faire aussi ces courses, que ce soit en auto, en moto ou donc en camion. Et on aperçoit les marqueurs qui sont un peu couchés, là, je crois. C'est qu'il y a eu de la pénalité. Allez, dernier tour pour le leader, Jochen Hahn, avec le camion numéro 1. L'Allemand qui prépare lui-même son camion, hein, ça, c'est remarquable. Oui, particularité de Jochen, c'est lui qui construit ses propres véhicules dans son atelier à l'aide de son équipe, évidemment. Mais en plus, il ne construit pas que pour lui, hein, puisque c'est lui qui construit également celui de Steffi Hamm, celui d'André Kürsim, celui de René Reinhardt. Un préparateur confirmé depuis de nombreuses années. Auparavant, avec Mercedes, puis Mann, aujourd'hui Iveco. Le plus polyvalent et le plus complet de tous les pilotes sur la grille. Ouais, très, très bon pilote, évidemment. Bon, allez, on va le dire maintenant, mais l'occasion de rendre hommage, évidemment, à son papa, le regretté Konrad Hahn, qui a été ancien pilote de course que tu as bien connu, Fabien, et qui est malheureusement disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. Une bien triste nouvelle, hein, pour l'ensemble du monde du camion. Ouais, un choc dans tout le paddock, un personnage très, très apprécié. Personnellement, j'ai vu rouler avec lui. Ça me touche énormément et on est de tout cœur avec la famille. Hein. Ouais, on a des frissons, évidemment, dans le dos, rien que de dire ça. On l'avait vu ce week-end célébrer donc les victoires. Et cette victoire-là de Jochen Hahn, plus qu'un seul petit virage pour l'Allemand qui va se diriger vers un nouveau succès. Décidément, il est bien, bien parti pour décrocher le titre. Ce n'est pas encore fait, évidemment. C'est la 12e victoire de la saison pour l'Allemand. Nouveau succès au Mans. Belle histoire d'amour entre l'Allemand et le circuit sartois. Il compte plus de victoires cette année à lui seul que l'ensemble de ses adversaires. Il a 93 points d'avance au championnat sur Albacete. Il pourrait bien décrocher le titre lors de la course numéro 2, à condition de ne pas concéder plus de 2 points à son adversaire espagnol. Eh bien, c'est évidemment ce qu'on va surveiller d'ici quelques instants. Norbert Guisse, 7e à l'arrivée, qui va finalement apparemment être disqualifié pour une raison donc qu'on a évoquée, la fumée qui était trop importante. Pole position en revanche pour la course numéro 2 pour Shane Brereton grâce à sa 8e position. On se félicite entre les équipes, hein. On voit l'équipe de Lutz Bernau et l'équipe de Jochen Hahn. Fair play, évidemment. Oui, fair play dans les courses de camions, ça c'est obligatoire entre guillemets, mais il y a toujours un très bon esprit, même si la compétition est rude. Oui, la compétition est très rude. On découvre ce classement sans donc Norbert Guisse, 0 au compteur, hein, donc pour cette première course. C'est un week-end qui s'annonce difficile. On va écouter les mots du vainqueur. Ouais, ça avait l'air facile vu de l'extérieur, mais sur les 4 premiers tours, Sacha m'a mis une très très grosse pression. Ce fut très chaud, mais fair play sur les 3-4 premiers virages. Mais c'est un plaisir de me battre contre lui. Je suis très content d'avoir gagné et de ce point de vue, c'est vraiment parfait. La force tranquille, Jochen Hahn. Nouveau succès pour l'Allemand qui s'envole donc au classement général provisoire. Belle deuxième place encore une fois pour Sacha Lenz qui marque des points importants. Et puis la troisième position revient évidemment à l'Espagnol avec sa combinaison blanche et rouge, Antonio Albacete. Nous sommes toujours sur le circuit du Mans Bugatti pour suivre le résumé de la 35e édition des 24 heures camion. Lors de cette course numéro 2 du championnat de France camion, les 8 pilotes de pointe sur la grille sont inversés par rapport au résultat de la première. On retrouve donc une première ligne 100% Team VTR avec le jeune Raphaël Souza en pole, avec à sa droite son papa José. Une belle histoire de famille là aussi. Oui, c'est comme souvent dans les courses de camions, on a père-fils. Alors eux, ils ont la chance de courir ensemble, tout comme Montagne. Là aussi, père-fils côte à côte sur cette grille. Et on va écouter le poleman Raphaël Souza. C'est quand même quelque chose, hein, le circuit du Mans. Je suis vraiment content d'être en pole position. Maintenant, on va essayer de tenir la place, mais ça va être un peu plus compliqué. Mais au freinage là-bas, le max d'adrénaline, faut qu'on soit là, qu'on montre qu'on est là, qu'on s'impose face aux seniors et aux plus vieux, quoi. Mais on est là, on tient le choc. Ah oui, le choc, il faudra le tenir. 4 Renault occupent les 4 premières positions. 28 camions sur cette grille de départ. Fabien, c'est le maximum qu'on peut avoir ? Alors au Mans, c'est 29. Les homologations sont différentes suivant les circuits. C'est les petits circuits, on a plus 24 ou 26 camions. Mais au Mans, on est au maximum à 29 camions. Oh là là, et ça klaxonne avec le départ complètement raté du camion numéro 22. Derrière, Anthony Genex s'est fait une petite place. Yurik Montagne est à la poussette face à Ostaszewski. Théo Calvet a dû aller entre le 1 et le 3. Bref, c'est un départ un peu compliqué. On va essayer de retrouver tous nos petits, je dirais. Lionel Montagne qui coupe un petit peu à côté de Yurik Montagne. Oh là, attention, ça part large pour Anthony Genex.
qui passe les quatre roues de l'autre côté du vibreur. Eh bien, quel départ! Et il a gagné des places, Anthony Janiak. Eh oui, il a gagné deux places. Il est devant Théo Calvet et Lionel Montagne. Eh bien, quel départ! Faut jouer des coudes, hein, en camion, Fabien. Oui, surtout sur les courses en grille inversée, c'est toujours plus compliqué, hein, puisque logiquement, mais les moins rapides sont devant et les plus rapides sont derrière. Donc ça donne du spectacle. C'est aussi pour ça que vient le public. Hein. Et là, au moins, on a été servi. Ah, on a été servi. Et c'est le Polonais Ostrzewski qui est en tête devant Raphaël Souza, qui est vraiment très fair play, mais qui, attention, face au Renault de Yorick Montagne, doit faire attention. Oh là là, on parle large. La ligne gauche là est passée de l'autre côté du vibreur. Anthony Janiak qui se décale face à Raphaël Souza. Alors, le même principe, hein, je pense qu'il ne va pas forcément résister. Oui, voilà, ça passe assez facilement pour Janiak, qui prend l'avantage quand même, hein, sur Montagne, Calvet et Robineau. Ils se sont vraiment. Oh là, l'attention derrière le contact entre Montagne et Calvet. Eh bien, quel départ! Alors, on sait que dans les courses 2, ils sont motivés. Là, peut-être plus que de raison, non? Oui, c'est vrai que c'est serré. Au Mans, ça va très vite. Et on a vu que les trajectoires étaient tendues. Évidemment, quand vous avez 2, 3, voire 4 camions de front, eh bien, ça ne peut pas passer pour tout le monde. Oui, ça, c'est clair. Et la conséquence malheureuse pour les deux camions que l'on voit ici, crevaison à l'arrière gauche pour Lionel Montagne et à l'arrière droit pour Théo Calvet. Va falloir résister avec un camion donc doté maintenant de 5 roues et demi. Oui, c'est pas évident quand on a une crevaison. Alors, par chance, pour les gens qui ne connaîtraient pas, il y a un jumelage derrière, c'est-à-dire qu'on a 4 pneumatiques derrière et non 2 comme sur une automobile, donc ce qui fait que même si on a un pneu crevé, on peut quand même continuer la course, mais évidemment on a moins d'adhérence, on a plus tendance à glisser et donc moins de performance. Donc Christophe Michel n'a que 5 roues, ça, t'es en train de me dire? Bon, d'accord. Lui, c'est un tacbo play. Allez, en tout cas, pour la première position, ça se bagarre et ça va passer à l'extérieur pour Anthony Janiak face à Greg Ostrzewski. Ah, on se souvient qu'il était turbulent, Greg Ostrzewski, et là, il s'est assagi. Il roule pour l'équipe de Dominique Koloff, le Calvados bien représenté. Et c'est passé pour Anthony Janiak, déjà premier. Alors, il partait quoi, 5e, hein, sur cette grille de départ. C'est forcément une belle performance pour Anthony Janiak qui va maintenant, avec la piste libre, pouvoir creuser l'écart. Derrière, les Renault sont dans la place, comme l'on dit, avec le 14 de Ostrzewski devant Raphaël Souza, Yorick Montagne et Lionel Montagne. Ah, alors là, il s'est passé quelque chose. On a sauté quelques tours et je crois que Yorick Montagne est passé devant Raphaël Souza, oui. Et ça passe aussi pour Lionel Montagne à l'intérieur au garage vert. Bel affrontement en tout cas entre les différents pilotes et pas trop de contact quand on a pris ces marques. Non, c'est surtout dans le premier et le deuxième tour que ça frotte un peu. Alors évidemment, c'est parfois chaud, hein, parce qu'on ne veut pas forcément laisser la place. C'est aussi pour ça qu'ils sont là. Hein. C'est la bagarre, c'est logique. C'est ce qui nous plaît. Hein. Mais voilà, mais pour les leaders, c'est vrai que c'est plus facile. Dès qu'on aperçoit le camion fluo, on sait que c'est Janiak et bien souvent, ça passe tranquille. Mais ça va peut-être passer pour Théo Calvet face à Raphaël Souza, attention. Oui, alors Raphaël Souza qui va couper le fromage là, est-ce qu'il va rendre sa place? Parce que là, normalement... Voilà, en théorie, là, réglementairement parlant, il y a eu un avantage, il devrait rendre la place. Bon, là, c'est pas le cas, mais ça finira bien par passer. À surveiller en tout cas, oui, ça bloque les roues pour Théo Calvet. C'est passé pour Lionel Montagne sur Yorick Montagne et ça va peut-être passer pour Thomas Robineau sur Théo Calvet. Oh là 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 là, les deux camions qui passent tout proche des marqueurs. Là, on ne se fait pas de cadeau, hein. Léger petit coup de roue, mais c'est aussi ça le camion et ça va peut-être passer pour Théo Calvet finalement face à Raphaël Souza. Voilà, quel freinage avec une roue crevée. Il est motivé comme jamais, Théo Calvet. Ah, les jeunes, ils veulent montrer de quoi ils sont capables. Oh là là, mais ils sont trois de front ici. Ils sont quasiment trois de front et on voit des pièces qui sont lâchées par Greg Ostrzewski. Oh là 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 là. Il se fraye un passage, Théo Calvet, face à Thomas Robineau et Raphaël Souza qui lui doit voir gros dans ses rétroviseurs. Il voit du orange, hein, carrément là, avec le jaune et le rouge qui se mélangent. Ben là, c'est clair qu'on a des très belle bagarre, hein. C'est vrai que c'est très tendu. Ah là là, c'est tendu et c'est terminé malheureusement pour Stéphane Languilla. Que s'est-il passé? Ouh, le drift de Patrick Châtelain et qui a gardé pied au plancher. Oh là 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 là, et ça tape pour les deux camions. Oh, quel dommage, quel coup de massue encore une fois pour Stéphane Languilla qui n'est véritablement pas verni cette année. Ouais, là c'est vraiment un incident de course, il n'y a rien de volontaire. Le premier camion part en dérive, le deuxième croit que ça va passer et puis malheureusement il n'y a pas assez d'espace, donc ça se touche assez fortement. On voit l'eau qui... Hein. Voilà, donc ça c'est l'eau des freins, hein. c'est rien, c'est juste l'eau, c'est de l'eau pure, hein. Il n'y a pas d'additif ni quoi que ce soit, c'est ce qui sert normalement à refroidir les freins et on voit que là ça s'écoule sur la piste, mais safety car tout simplement pour évacuer les camions. Oui, pour évacuer les camions et puis on a bien compris que Patrick Châtelain était parti tout seul à la faute, il y a peut-être un peu de liquide aussi, donc il faut surveiller ça. La direction de course se laisse le temps de choisir, mais la luminosité commence à diminuer, donc là on serait peut-être pas forcément surpris de voir que la course n'aille pas à son terme, hein, Fabien. Voilà, c'est pas évident d'intervenir sur l'évacuation
position des véhicules. C'est pas juste, on ne grutte pas comme ça vite fait comme on peut le faire en voiture. On est quand même avec des camions de dépannage qui sont imposants et la manœuvre sur la piste n'est pas toujours évidente. C'est ce qui s'est passé là, il y en avait deux à sortir, donc ça a pris un peu de temps. Voilà. D'ailleurs, les dépanneuses sont adaptées pour des camions de 5 tonnes 4. Ce sont des dépanneuses de série, je dirais, comme on voit sur l'autoroute ou sur nos routes françaises, qui sont là pour évacuer les camions avec des grues, des treuils, comme on le voit dans la vie de tous les jours. Alors on pourrait faire un petit parallèle, hein. Donc on a dit GT3, camion, même combat. Voilà, il ne faut pas que Janiek ait envie d'accélérer tout d'un coup, parce que peut-être la Porsche restera derrière, donc on ne sait jamais, ça pourrait faire mauvaise image. Différence de gabarit en tout cas, alors qu'on aperçoit les deux Iveco, ils sont équipiers, donc Patrick Châtelain et Jean-Philippe Dulac, et puis derrière on a le lycée, donc Camille Dugast, les lycées sont vraiment bien placés là aussi, il faut le souligner. Ah, drapeau rouge, eh oui, la course n'ira pas à son terme, décision de la part de la direction de course. La luminosité réduisait, la limite des 9 tours était proche, les conditions d'adhérence et de sécurité n'étaient pas réunies. Bref, on ne relancera pas cette deuxième course du championnat de France qui va s'arrêter là. Donc les points vont être attribués puisqu'on a passé 75% de la course. Ouais, une course un peu avortée et puis bon, mais c'est un peu dommage, mais ça fait aussi partie du jeu, ça peut arriver. On n'est pas maître forcément de toutes les conditions et là on voit Stéphane évidemment très déçu sur le bord. Alors c'est pas non plus un énorme choc, mais bon, camion qui ne pouvait pas redémarrer, ils vont devoir bosser dur pour être au rendez-vous le lendemain. Surtout que la veille, ils avaient déjà dû travailler dur jusqu'à tard dans la nuit pour un problème d'intercooler. Allez, la victoire pour Janiek devant Montagne et Ostaszewski. Janiek qui reprend donc un peu d'air au championnat. Encore 33 points d'avance sur Robino. Robino qui ne compte que 2 points d'avance sur Théo Calvet. Le podium donc avec Janiek au centre, Montagne et Ostaszewski à ses côtés. On enchaîne avec la course numéro 2 du championnat d'Europe. Même principe de grille inversée. On a vu qu'en France, c'était chaud. Donc, on va essayer de suivre ça en Europe avec donc Shane Brereton en pole devant José Rodriguez. Deuxième ligne pour Corsim et Alm. À Laco et à la Bassété se partagent eux la troisième ligne. Ouais, une belle course nous attend car ces courses avec handicap et grille inversée sont toujours beaucoup plus spectaculaires pour les spectateurs. Elles le sont aussi pour nous, je dois dire, parce qu'elles nous offrent beaucoup plus d'action. L'enjeu de cette course, évidemment, décrocher le titre pour Anne. Peut-être un sixième dans l'histoire. Dans son équipe, on est évidemment très concentré. Et puis aussi l'enjeu, c'est la deuxième position derrière Jochen Anne. Il y a deux luttes en une. Oui, tout à fait, c'est très serré, hein, on le voit. Alors si Jochen a de l'air derrière, la pression est à son maximum, mais sur les grilles inversées, bien généralement c'est décuplé. Oui, ça c'est clair, en tout cas tout le monde se concentre dans les stands et c'est parti avec le numéro 17 de Shane Brereton et José Rodriguez, le camion numéro 14. Brereton n'a pas forcément l'habitude de mener un peloton, à voir comment il se débrouille, mais c'est pas simple hein, derrière avec les fous furieux. Ouais, on voit le premier freinage ici au Mans, hein, toujours très spectaculaire, tout le monde est à 160 à ce moment-là, donc c'est vrai que ben, parfois ça glisse un peu. Il y a quelques marqueurs qui ont sauté, Steffi Ham qui est parti un peu en travers, on couple avec Jochen Hahn, Sacha Lenz et également le camion numéro 44, ouh là là, on a vu Kursim également, le camion jaune numéro 11 qui est parti en travers. Bref, il s'en passe énormément, pas simple hein, dans le peloton de garder son calme aussi. Hein. Oui, mais cette particularité au Mans, hein, c'est vrai qu'on arrive tous de front et ce gros freinage, il a l'air de rien quand on le regarde, mais je vous promets, à 160 avec 5 tonnes, c'est toujours délicat. C'est beaucoup plus difficile. Attention à l'intérieur, le camion rouge numéro 23 d'Antonio Albacete qui doit reprendre des points, on vous l'a dit, sur Adam Laco qu'on a entendu il y a quelques instants. Adam Laco a le camion 55 avec les petits ornements jaunes fluo et Adam Laco est donc en lutte face au numéro 23, tandis que devant, José Rodriguez, le camion 14 face au camion numéro 10 de Brereton. Oh là là, c'est chaud à tous les niveaux. Steffi Ham, le camion 44 face au 30 de Sacha Lenz. Ah, il y a beaucoup d'Allemands, ça parle allemand dans ce peloton, mais pas que. Oui, c'est vrai qu'il y a une majorité d'Allemands, surtout sur les avant-postes, tout simplement parce que beaucoup d'écuries sont d'origine allemande. Ah là 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 là, une écurie allemande justement, Norbert Kiss qui partait dernier après sa disqualification, c'est complètement raté au freinage, tout comme René Reinhardt d'ailleurs. Et donc, eh bien, les deux camions sont venus percuter Luis Requenco, une mauvaise affaire pour les deux pilotes. Et c'est le drapeau rouge agité, on ne pouvait pas faire mieux, hein, évidemment, il faut enlever les deux camions, on aperçoit Norbert Kiss, zéro pointé sur deux courses, Fabien. Oui,
Oui, c'est clair, très mauvais début de week-end pour Kiss. Alors l'eau que l'on voit au sol, là, c'est pas forcément, enfin, la luminosité, c'est pas forcément de l'huile, ça peut être aussi de l'eau parce qu'on a touché le radiateur devant. Mais en tout cas, drapeau rouge, donc ce qui signifie arrêt de la course et relance dans les positions du tour précédent. Donc ça donc va le premier tour, voilà, ouais. Premier tour, donc on va repartir avec une grille comme au début. Oui, alors je confirme, hein, Fabien, c'est bien le radiateur d'eau qui a explosé complètement avec le contact entre Reinert et le camion 64 de Requenco à l'intérieur. Norbert Kiss n'a rien pu faire, il est arrivé tout trou bloqué et il est venu percuter tout ça. Bon, ça arrive parfois, hein, dans les courses camions, c'est aussi ça qui fait le spectacle. Oui, ouais, là c'est, on voit quand même les dégâts sont importants sur le camion de Reinert. Et nouveau départ, donc de nouveau le pace truck en tête et pour ce second départ du championnat d'Europe. On s'aperçoit que la luminosité est très différente, on a passé quoi, une demi-heure, hein, je crois, pour réparer tout ça et les courses peuvent être relancées. Bravo donc au commissaire et à tous les dépanneurs qui permettent de libérer la piste. Cette deuxième course va donc enfin partir, donc avec les pilotes qui se préparent. Le Pullman toujours à droite, le camion numéro 17 de Brereton. Ouh là là, le départ un peu manqué, là j'ai l'impression pour le Pullman. Et attention aussi à José Rodriguez qui va peut-être prendre l'avantage avec son camion numéro 14. Ils sont vraiment à la queue leu leu, les pilotes. Ah, regardez l'espace entre les camions. Il n'y en a pas. Il ne faut pas y mettre les doigts. Non, moi j'y vais pas en tout cas. Attention au premier virage. Alors il y a moins de camions évidemment engagés pour ce restart. Oh là là, on coupe toujours, hein, Stéphane qui préfère couper. Oh, Brereton qui se fait écarter par José Rodriguez, qu'on a connu également en France. Hein, José Rodriguez, il était assez rugueux, ben on le voit. Hein. Oh là là, freinage complètement raté. Brereton qui se fait écarter, là c'était vraiment le domino day, hein, j'ai l'impression, entre Rodriguez, le 14, le 11 de Kursim et le 44 de Stéphane. Bien, lorsqu'on parle de spectacle, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Ça c'est clair. Alors bon, il va se refaire une petite beauté, hein, le camion numéro 14. Là, il y a quelques petits ornements qui sont partis. C'est pas la sécurité qui est mise en jeu, c'est plutôt la décoration. C'est du maquillage, c'est purement cosmétique. C'est le rimmel qui coule. Le camion 14 en tête et Brereton qui s'est fait complètement écarter, qui se retrouve maintenant sous la menace de Adam Lacau à l'extérieur. Drapeau jaune et rouge qui signifie changement d'adhérence. On le voit, hein, certains camions partent en travers. Steffi fait plutôt une bonne affaire là aussi, puisqu'elle était assez bien passée, hein, troisième par rapport au premier départ. Et c'est vrai qu'il va falloir aussi surveiller Kursim. Il y en a un, oui, c'est ce que j'allais dire, qui fait une bonne opération, parce qu'au premier départ il était huitième, là il est deuxième. C'est donc André Kursim qui pourrait peut-être, hein, essayer de tenter une attaque sur José Rodriguez, pardon, pour s'imposer une nouvelle fois cette année. Il l'avait déjà fait en Hongrie, on va voir s'il est en mesure de répéter ça. Oh là là, eh ben oui, l'erreur pour José Rodriguez, il n'y a même pas eu d'attaque, hein, de la part de Kursim. Alors, système de freinage, Fabien, on a parlé des disques qui sont de série. On a un freinage pas hydraulique, à air, hein, c'est ça? Non, c'est idem un camion de série, c'est système pneumatique, hein, et non hydraulique comme vous le connaissez sur les voitures. Ici, c'est du pneumatique comme un standard, là aussi, pour conserver l'esprit du camion et maîtriser les coups une nouvelle fois. Et ça change quoi alors en course? La sensation sur la pédale de frein, c'est quoi? On a un peu moins de... C'est un peu moins direct, on a un petit temps de... Comme sur un camion, alors de c'est infime, hein, voilà, mais c'est... Il faut aussi freiner avec parcimonie, parce que si l'hydraulique réagit de suite, l'air se comprime et bon, c'est un peu différent, il faut être habitué. C'est peut-être ce qui s'est passé là pour José Rodriguez. Là il a freiné un peu tard, il avait beaucoup de pression, il s'est un peu loupé et à un ou deux mètres près, eh bien, si on freine un peu trop tard, on a vu, il a allumé ses freins avant, il n'a pas pu maîtriser sa trajectoire, il est sorti à l'extérieur. Ah oui, c'est bien dommage pour le pilote portugais. En revanche, pour les deux Allemands qui sont en tête, deux Iveco d'ailleurs, André Kursim et Steffi Halm, c'est tout bénef. Et derrière, on a Adam Lacau avec le numéro 55. Alors lui, cette année, c'est une énigme, hein, sur son Freightliner Bugira longue noce, comme l'on dit. Eh bien, il est pour l'instant en troisième position. Il n'a pas beaucoup gagné cette année, une seule victoire. Hein. Non, c'est vrai, c'est bizarre parce que alors bon, le camion est un peu différent. C'est un camion neuf, hein, c'est un nouveau camion, même si le look extérieur est similaire à celui de l'année dernière. Le camion est c'est un châssis nouveau, une nouvelle motorisation sur le camion qui change totalement la façon de le piloter. Ça explique peut-être pourquoi bien Adam cette année a un peu plus de mal que les années précédentes. Mais bon, un camion toujours aux avant-postes quoi qu'il en soit. Ouais, ça c'est clair, il se bat pour la deuxième place du général. Alors un peu à l'instar des courses automobiles, est-ce qu'on a des transferts d'ingénieurs aussi? Parce qu'on a des transferts de pilotes, on en a parlé. C'est la même chose pour les ingénieurs? Exactement, il y a eu, alors chez Bugira, il y a une stabilité depuis des années, mais on a des ingénieurs qui bougent. Par exemple chez Kiss, chez Lens, on a eu un échange. Stéphane est passé d'un côté, Chabat de l'autre. Il y a eu le jeu des chaises musicales. C'est exactement comme en automobile. À
Allez, attention, avec le 44 de Steffi Ham. Oh là, derrière, je crois qu'il a percuté un marqueur qui était déjà au sol, Adam Lacau. Et il a donc endommagé un peu l'avant de son camion. C'est pas bien grave, ça roule toujours. Deux Iveco en tête devant un Freightliner Bugera. On parlait de cet affrontement entre les différents constructeurs. Bah là, on le prouve, hein, véritablement. Là, on voit réellement l'intensité des courses. Hein. Vous voyez comme c'est serré entre les concurrents. On ne se fait pas de cadeaux. Et là, ça a beau être Iveco, le 44 et le 11, ce sont deux teams différents et on est là pour la gagner. Alors, il y a quelque chose aussi qui aide peut-être les trois premiers et Adam Lacau notamment, c'est que derrière il y a Brereton qui fait un peu le bouchon avec son camion numéro 17 devant Albacete. Oui, là aussi on voit bien qu'il n'y a pas de course d'équipe puisque que ce soit Brereton ou Albacete, ils sont tous les deux sur MAN et l'anglais ne lâche rien face à l'espagnol. Et attention avec l'allemand Kürsim qui ne lâche rien non plus face à Steffi Ham. Steffi Ham qui, je crois, l'année dernière avait réussi à s'imposer sur cette piste du Mans. Elle aimerait bien rééditer son exploit à quoi 6 tours du but. Oui, surtout qu'elle a son public, hein, elle a des fans en France. Hein, rappelons qu'elle a été deux fois championne de France au sein du Lyon Truck. Donc autant dire qu'il y a encore beaucoup de fans français qui la suivent. Donc elle est très encouragée lorsqu'elle roule en France. Et puis elle est super sympa, un peu comme Jorgen Hahn. Alors là par contre il n'est pas très sympa avec Albacete parce que je pense qu'il va prendre l'avantage avec son Iveco numéro 1. Et oui, il a profité du blocage de Brereton. Ah, c'est vraiment, ça joue à rien. C'est aussi ça, être filou dans le peloton. Hein. Oui, et puis bon, les pilotes d'expérience, on voit ici Albacete et Jochen, ils savent, hein, donc ils se tiennent prêts parce qu'à un moment ou un autre, le bouchon saute et puis c'est là où il faut en profiter. Ah, c'est clair. Bon, c'est pas passé hein, pour Jorgen Hahn. Ça ne saurait peut-être tarder avec son Iveco numéro 1. Lui n'a pas l'objectif, évidemment, de dépasser absolument Albacete parce qu'il y a le titre en jeu. Il suffit de rester derrière Albacete et le tour est joué. Il faut surtout pas faire d'erreur parce qu'un abandon serait. Retarderait un peu la consécration, alors que là, en restant dans les roues d'Albacete, ça suffit et il le sait très bien. Ah oui, parce qu'il ne perd qu'un seul petit point. On a parlé du barème de points d'ailleurs pour les premières courses, mais pour les courses numéro 2 et 4. C'est donc 10 points pour le vainqueur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à aller tout tenter pour une place. Non, ce sont des pilotes qui ont de l'expérience, de la bouteille. Et on ne va surtout pas faire d'erreur. Il faut arriver. Et même si c'est derrière Albacete, ça suffit. On voyait son équipe dans les stands qui doivent trépigner. Ils sont concentrés. Voilà, passant, vivement que la course termine. Mais en tout cas, un sixième titre qui lui permettrait de rentrer dans l'histoire. Ah, ça, on va peut-être l'évoquer d'ici quelques instants, en tout cas en tête, c'est pas encore fait pour la victoire. Est-ce que Kürsim va être en mesure de maintenir derrière lui Steffi Ham? Eh bien, en tout cas, ça klaxonne derrière. Et belle course hein, de Brereton qui continue de résister en quatrième position. Les Anglais sont très 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 forts hein, en course entre guillemets défensive, comme ça, très difficile à passer. Ils sont toujours au milieu où il faut. Ils bloquent pas la piste, mais ils laissent pas non plus la porte ouverte. Très difficile de doubler un Anglais. Et Brereton est quand même spécialiste en la matière. Oui, ça c'est clair. Alors que devant, André Kürsim essaye d'élargir au maximum son camion. Il a 28 ans, André Kürsim. Elle en a 35. Il s'agit de Steffi Ham. Elle a pas mal d'expérience, elle aussi. Et puis derrière, on a Adam Lacau, hein, qui lui aussi n'est pas dénué d'expérience. 35 ans, pareil, depuis le 24 septembre dernier. Donc on a vraiment deux pilotes ultra expérimentés. Et puis André Kürsim qui commence à vraiment se faire un nom. Hein. Oui, qui se fait un nom. Steffi, c'est vrai qu'elle est confirmée. Elle a été découverte par le Lyon Truck. Patrick Foléas et Pascal Calas, qui sont des découvreurs de talent. Et on l'a vu avec Steffi. On le voit maintenant avec Théo. Il donne la chance aux jeunes. Aujourd'hui, c'est Steffi s'exprime au plus haut niveau de la compétition, mais André Kürsim lui aussi veut montrer et il ne lâche rien. Oh là là, attention, il zigzague un peu sur cette piste. Alors ici en Europe, on a aussi deux équipes hein, qui sont vraiment découvreurs de talent. On a Bugira et on a aussi Tankpool 24. Oui, Tankpool 24, alors c'est l'écurie de Kiss qui est un peu à la traîne cette année, mais Bugira, ils sont toujours là. Regardez, c'est juste magnifique. Ah, c'est exceptionnel et ça résiste pour André Kürsim. Oh, alors attention, parce qu'il y a peut-être eu un tout petit contact sur Steffi Ham, oh là là, qui vient aussi se faire un tout petit peu chahuter par Adam Lacau. Quel finish! Quelle arrivée, ouais, voilà, c'est ça le sport camion. Hein. Là, avec ces images, elle parle toute seule et c'est pas un hasard si ses tribunes sont pleines. Hein. Ah, c'est clair, victoire de Kürsim, deuxième victoire de l'année après la quatrième course au Hungaroring. Titre pour Ham, l'Allemand qui est né en 1974. Et oui, il a réussi à faire cela devant son papa qui, malheureusement, vous le rappelle, est tristement décédé. Jorgen Hahn a fait ses débuts en 2000 lors du Grand Prix de Dijon au volant d'un Mercedes. Il est passé à MAN, puis Iveco avec le succès qu'on connaît désormais. Sextuple champion d'Europe 2011, 2012, 2013, 2016, 2018 et 2019. Il avait déjà rejoint Rod Chapman et Steve Parrish ainsi qu'Heinz Werner Lenz en décrochant 3 titres consécutifs. Il en a donc 6 désormais et il dépasse Steve Parrish au nombre de titres. Quelle joie et quelle image donc pour Jorgen Hahn, le seul pilote de l'histoire à obtenir 6 titres. Oui, toutes les fois je gagne au Mans. C'est
pour ça que vous revenez ici, c'est votre circuit favori, non? Mais tout le temps, je décroche le titre ici, je suis vraiment très heureux. Quel est votre secret pour être si rapide? Il n'y a pas de secret, je veux surtout remercier toute mon équipe, je ne l'ai pas fait tout seul, et je le sais bien. Anne, au sommet du championnat d'Europe. Ça fait plaisir ces images. Oui, puis c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il n'a pas l'intention de décrocher. Donc il en est à 6, mais il pourrait bien en rajouter d'autres au palmarès, qui sait. À suivre. Ça, c'est clair, on va le suivre, le pilote allemand. D'ailleurs, en parlant d'allemand, c'est un podium avec deux Allemands. Deuxième victoire pour Corsim. C'est donc mieux que Laco. Neuvième podium cette saison pour Steffi Halm. Oui, pour chaque pilote, c'est génial de remporter une course ici au Mans. Steffi était très rapide, elle m'a pressé toute la course, mais je n'ai pas commis d'erreur et j'ai pu vraiment m'imposer, c'est génial. Ah oui, on va clôturer donc cette première journée avec ce podium. Et oui, André Corsim, un Iveco, devant un autre pilote Iveco, Steffi Halm et Adam Laco en troisième position. On clôture cette journée avec notamment l'ambiance festive et le record de participants au camion décoré, Fabien. Oui, 250 et encore, on en a malheureusement refusé tout autant parce qu'on a plus de 500 demandes chaque année, mais on ne peut pas pousser les murs du circuit. Hein. On est obligé de limiter, mais toujours un très très gros succès. Le Mans, c'est le rendez-vous de l'année en France, et que ça soit côté piste, côté paddock, et on le voit, camion décoré, le défilé, c'est toujours un très grand rendez-vous attendu par le public. Il y a tout autant de passionnés qui viennent que pour la course que pour le camion décoré. Et c'est ce qui est bien justement, c'est ce que j'allais dire, on attire des gens venus de l'Europe entière qui découvrent donc les courses camions, certains découvrent les camions décorés. Il y a vraiment une atmosphère incroyable, et ces camions, on les voit sur la route tous les jours. Oui, ce sont des camions qui roulent, ce sont des transporteurs, mais qui ont l'amour du camion, la passion, et c'est vrai que la personnalisation fait aussi partie pour attirer les nouveaux chauffeurs, pour créer des vocations, des passions. Ce sont vraiment tous de vrais professionnels et qui ont un attachement tout particulier à leur camion. Et on découvre donc ces belles images avec les plus jeunes, les moins jeunes qui sont là devant des tribunes, on le dit, hein, pleines. Vraiment, prenez vos tickets pour l'année prochaine parce que c'est une ambiance à nul autre pareil ici au Mans. Oui, puis c'est un spectacle non-stop. On a vu le jour, on voit la nuit, il y a ce défilé, il y a d'autres épreuves, il y a le concert, il y a le feu d'artifice. C'est vraiment la grande fête du camion durant deux jours complets, samedi, dimanche, ça ne s'arrête jamais. Eh oui, c'est pour ça qu'on parle des 24 heures camion, évidemment, ça ne roule pas 24 heures, mais ces camions, ils sont là pour nous régaler jour et nuit. Fête populaire pour ces 24 heures camions, on va aussi parler du Gymkhana. L'épreuve du samedi soir en ligne droite, dénommée Gymkhana, fait partie de la tradition. De quoi s'agit-il? Alors c'est tout simplement une épreuve d'adresse, on le voit, les camions zigzaguent autour de plots. Il faut venir toucher le dernier plot sans renverser les deux autres. Donc il y a rapidité, agilité et en même temps précision, puisqu'à la fin tout se joue sur quelques centimètres. Et un petit point de participation quand même offert, donc c'est pour ça qu'on voit des camions de course et des camions également de série. Tous les types de camions sont autorisés? Oui, dans le règlement on peut prendre un camion de série si jamais son véhicule est endommagé ou en réparation. L'essentiel c'est de participer, nous sommes là pour faire le spectacle pour les spectateurs, et c'est vrai que c'est chaque fois très réussi. Et les résultats, Aurélien Argot qui s'est montré le plus agile et le plus rapide devant Franck Conti et le surprenant Pascal Lemonnier, professeur de conduite au lycée Mézin d'Alençon. Rappelons-le, évidemment, les organisateurs de cette épreuve, France Route et l'Automobile Club de l'Ouest, ont voulu faire plaisir au public, puisqu'avant le concert de Michael Jones le samedi soir, le traditionnel feu d'artifice est tiré du bout de la ligne droite des stands. Bref, on s'amuse et on prend beaucoup de plaisir dans ces épreuves camions, que ce soit évidemment au Mans ou sur toutes les épreuves de ce championnat de France qui compte 5 étapes. Vous êtes toujours avec nous sur la chaîne L'Équipe pour suivre les meilleurs moments des 24 heures camion 2019. Après une première journée riche en rebondissements, place à la seconde avec 4 courses au programme. Et on commence par la troisième du championnat de France où la pluie s'est invitée durant les essais qualificatifs. Et dans ces conditions piégeuses, la pole position est revenue à notre ancien rallyman Lionel Montaigne pour 36 millièmes de seconde face à Anthony Janiek.
c'était très chaud sous la pluie. Franchement, j'étais super content. C'est la une des rares fois où on a roulé sous la pluie avec ce nouveau camion, le T de chez Renault. Et franchement, j'étais très très content. C'est dommage que là, il pleut pas, mais on va croiser les doigts que ça s'assèche pas trop vite en tout cas. Eh oui, il a peut-être pris un pari d'ailleurs en termes de réglage, Lionel Montagne. Alors par précaution, Fabien, le départ va être donné pour un premier tour derrière la voiture de sécurité avant donc d'être lâché. Est-ce qu'on a pu opter, donc on vous le disait, pour des pneus pluie? Alors il n'y a pas de pneus pluie, il n'y a qu'une sorte de gomme, mais par contre les réglages, on peut opter pour un réglage pluie ou un réglage sec. On va assouplir en règle générale son camion de façon à être moins réactif et peut-être plus gommer les éventuelles glisses. Donc toujours très délicat sur la pluie, et on a vu ça changer la physionomie de la grille, parce que beaucoup de pilotes n'avaient jamais roulé sous la pluie, notamment les nouveaux, et ça a eu une incidence sur cette course. Ah, c'est clair que ça va être un exercice d'équilibriste avec nos pilotes qui donc découvrent cet univers camion. On pense à Yorick Montagne, on pense aussi à Théo Calvet qui n'a jamais roulé, Raphaël Souza et tous les petits nouveaux qui nous ont rejoints évidemment. Alors Lionel Montagne a fait le pari, je pense, d'après ce qu'il a déclaré, des réglages pluie sur son Renault T, qui est donc de plus en plus efficace. Il s'est imposé pour la première fois l'an passé à Charade en 2018, et cette année il a ajouté 2 victoires. Oui, Lionel, un pilote d'expérience, et comme il vient du monde du rallye, c'est vrai que la glisse, ça le connaît, et ça, c'est pas 2 gouttes d'eau qui vont lui faire peur. Ça, c'est clair. Allez, c'est parti donc au deuxième tour, c'est logique, on a fait le premier tour sous régime de safety car, et donc on aperçoit les différents pilotes qui se battent, notamment avec la remontée de Théo Calvet qui s'est un peu raté aux qualifications. Il était un peu surpris en fait. Oui, pas d'expérience sous la pluie, un premier roulage. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu ni d'essai ni de course sous la pluie dans ces 2 dernières saisons. Eh bien, on voit, mais il faut que tout le monde apprenne, donc c'est l'heure. Et voilà, ça y est, faut y aller les gars. En tout cas, pour l'instant, Lionel Montagne, Anthony Janiek et Thomas Robineau sont en première, deuxième et troisième place. Oh, ça part très large pour certains. Et par contre, derrière, on aperçoit Aurélien Argote, du coin de l'œil, qui a réussi à se défaire de Stéphane Languilla. Attention à la lutte pour la première place. On sait que Janiek, c'est pas un temps non plus. Non, et on voit bien là, la physionomie, si on regarde, 3-1-2, 1-2-3, 3-2-1. On a quand même des pilotes d'expérience aux avant-postes. Oui, parce que ces numéros, ils sont pas choisis au hasard, évidemment. C'est le résultat de l'année d'avant. Donc c'est vrai, premier Janiek, deuxième Robineau, troisième Montagne. Et là non plus, sur des conditions difficiles comme elles le sont. Regardez, oh, même les grands champions sont en délicatesse. Donc l'expérience prime dans ces conditions en camion. Alors là, ça a été une grosse glissade pour le camion vert numéro 3 au garage vert justement. La relance n'a pas forcément été idéale face à Anthony Janiek, mais ça tient toujours pour Lionel Montagne. Attention quand même à l'intimidation de Janiek à l'intérieur, peut-être ici. Est-ce que ça va passer? Voilà, c'est très très proche. Ouh, et un pilote qui s'est fait piéger, José Souza, dans le bac à gravier au garage vert. Ouh, ça va nous changer la physionomie. Et le risque est pris de mettre le safety car et pas de drapeau rouge là. On a fait un pari et on a bien fait. Parce que l'intervention a été très courte. Ils sont allés récupérer avec un chariot manuscopique le camion. Donc ça s'est passé très vite. Donc on a très peu perdu sur le temps d'intervention. Bon, et bravo en tout cas aux commissaires qui ont été très rapides. On n'aurait pas mis notre main à couper sur cette rapidité d'intervention avant donc la décision de la direction de course, très très bonne décision. Et on repart au cinquième tour sur les 9 au programme. Lionel Montagne en tête devant Anthony Janiek et Thomas Robineau. C'est vraiment le duel qui nous intéressait les années précédentes. Et puis il y a un petit empêcheur de tourner en rond, je dirais, le camion numéro 20 qui est en train de remonter petit à petit. Oui, ça a eu pour effet de resserrer tout le monde. Donc c'est vrai que ça relance un peu le suspense. Et on voit que si devant ça bagarre, on voit que juste derrière, c'est pas mal non plus. Ouais, c'est pas mal, mais là il nous a fait une Christophe Michael. Lionel Montagne, c'était pas voulu évidemment. Et c'est passé pour Anthony Janiek. Ah, on a senti un peu de... Ouais, les réglages peut-être trop typés pluie pour Lionel Montagne. Oui, là il pleut plus, donc on a quand même une piste humide, mais avec des portions sèches. Et c'est vrai que ça a peut-être joué des tours à Lionel, qui a laissé la place à Anthony Janiek. Ah, oui, on fait des paris, mais c'est pas pour autant qu'il a pas un bon coup de volant, évidemment, Lionel Montagne. Et on sait son niveau, puisqu'il a 2 titres à son actif. Yorick Montagne avec le camion numéro 24, juste devant Théo Calvet. Ouh, les petits jeunes là, ils vont être à surveiller. On rappelle, une saison et demi entre guillemets pour Yorick Montagne, 2 pour Théo Calvet quasiment. C'est pas grand chose. Non, c'est pas grand chose. Yorick est jeune dans les courses de camion, mais il est plus très jeune. Il a 31 ans dans la vie, donc il commence à arriver à maturité. Mais par contre, c'est un petit nouveau sur les courses de camion. Voilà, à contrario, Théo, lui, a juste 18 ans, mais il faut dire qu'il avait commencé très jeune, dès l'âge de 16 ans. Yorick Montagne était beaucoup dans le paddock. Alors, il a eu 32 ans depuis le 5 septembre, mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il reste neuf, on va dire, dans cet univers de courses camion. Et il résiste pour l'instant face à Théo Calvet. Attention, peut-être pas forcément pour longtemps, parce qu'on sent bien que le MAN numéro 20 est mieux placé là à la relance. Alors est-ce que ça va passer derrière
la chicane d'un lob, oui, voilà, franchement assez facile. Il a été fair play aussi, Yorick Montagne. Oui, c'est très propre, hein. Yorick, comme son papa, sont pas des, ce sont des pilotes qui sont corrects. Et bon, c'est vrai que c'est parfois un peu viril, mais il n'y a pas de gestes volontaires et déplacés. La course reste la course. Et maintenant, il va falloir s'attaquer à un morceau. Greg Ostasevski, camion numéro 14. Il s'est franchement bien calmé hein, depuis quelques années. Parce qu'au début, il est arrivé, évidemment, en ayant beaucoup de fougue et beaucoup d'envie. Et je pense que Dominique Koloff l'a un petit peu, lui a un petit peu dit de se calmer. Oui, mais c'est jamais facile hein, de dépasser Greg. On l'a vu, c'est parfois même un peu viril. En revanche, lui, il rentre un peu moins dans le tas comme avant. Hein. On a eu des quelques courses où c'était quand même assez viril, on se rappelle d'un Castellet notamment. Là, il est rentré un peu dans l'ordre, mais jamais facile à dépasser. Non, jamais facile, évidemment. Et puis, ça a payé hein, de se calmer un petit peu, parce qu'il a des victoires à son actif et beaucoup de podiums. Attention, dans l'avant-dernier tour de cette course, Lionel Montagne face à Thomas Robineau, le local de l'étape. Oh, j'ai l'impression qu'il va recroiser. Très, très bien fait, là, Fabien. Oui, l'expérience, on en parlait tout à l'heure. Là, Thomas, rien à dire. Parfait. Ah oui, il a écarté un peu la trajectoire pour après plonger dans le garage vert. C'est un virage pas facile non plus qui se prend en deux fois. Oui, et puis on a la possibilité de croiser, donc c'est ce qu'il a fait. On fait intimidation d'un côté, on repasse de l'autre et puis parfois ça marche. Ici la preuve. Et la victoire pour Anthony Janiek, qui n'aura pas sourcillé dans cette épreuve. Il s'impose avec plus de 10 secondes d'avance sur Thomas Robineau qui est allé la chercher. Cette deuxième place est derrière. Regarde Fabien, c'est une course de dragster entre Théo Calvet et Lionel Montagne qui va être premier. Oh, je crois que c'est le camion numéro 20. Oui, tout à fait. Sur coiffé sur la ligne, Théo, dans le dernier virage, est allé à l'extérieur, est venu dépasser à l'extérieur. La preuve d'une maturité et surtout d'un caractère, il a montré de quoi il était capable. Je suis passé à côté de mes qualifs. Je devais prendre la pole, il n'y avait pas de raison. Et puis Lionel est venu quand même me chatouiller, a fait des super temps sur le mouillé ce matin. Mais bon, je la voulais cette victoire. Je voulais vraiment passer, je ne sais pas si ça s'est vu, mais il n'y a pas un virage où je ne l'ai pas attaqué, Lionel. Il est parti de la 8e place, finir en 3e position sur la ligne d'arrivée, c'est énorme. Il y a un public de fous en plus, je pense que ça a dû faire pas mal de bruit dans les tribunes. Ah oui, on confirme à Théo Calvet, 17 millième de seconde seulement. Oh, c'est toujours une bonne idée hein, de bien performer devant le paddock du championnat d'Europe pour Théo Calvet. Oui, c'est une bonne carte de visite, on va dire. Voilà, l'avenir donc qui continue de s'écrire évidemment, alors que c'est la victoire pour Anthony Janiek qui conforte son avance en tête du championnat sur Thomas Robineau. Dans la deuxième place devant Théo Calvet, lui permet de le reléguer donc à 5 points dans leur duel pour la deuxième place du championnat. La Marseillaise donc en l'honneur de Janiek, Robineau, Calvet, Montagne et Ostasevski. C'est le top 5. Belle position également pour Yorick Montagne devant Raphaël Souza et Yvan Rodriguez. J'ai l'impression que la relève est assurée et ça va nous offrir une belle bagarre. Les 24 heures camion, c'est l'occasion de mettre en lumière le monde du camion au sens large. Les mécaniciens qui travaillent dans l'ombre sont mis à l'honneur lors d'une épreuve sur chaque manche du championnat de France. Fabien, deux épreuves spectacle donc. Oui, c'est pour aussi mettre les mécanos en avant. C'est important dans notre sport. L'épreuve de la mécanique, on démonte une roue, on vient la faire tourner autour du cône de Lübeck et la repositionner. Ensuite, on vient taper la main du pilote et le pilote monte dans le camion. Et uniquement quand il ferme la porte, on arrête le chrono. C'est du spectacle, mais c'est aussi un moyen d'être proche des gens et de leur montrer que nous sommes dans la vraie vie. Quel poids pour une roue comme ça? Dans les 70 kg quand même, parce que c'est 45 kg pour le pneu, après il y a la jante, donc 60-70 kg, il faut être sportif. Quoi. Oui, c'est clair, et les lycéens le sont justement, on aperçoit Frédéric Louis-Fer avec ces deux lycéens qui va aller donc claquer la porte de son camion numéro 18 dans cette épreuve. Victoire pour le team Aravi avec Maxime et Julien. On va découvrir les chronos en moins de 2 minutes, Fabien. Voilà, je vous laisse imaginer combien vous mettez sur le bord du périph' quand vous changez de roue sur votre voiture. Donc vous voyez, là, c'est une roue de camion. Il y a 10 écrous. Ouais, et puis, alors, moins de 2 minutes pour les vainqueurs. Mais derrière, on n'est pas loin. Hein. C'est vraiment dans un mouchoir de poche. Et un grand bravo, évidemment, à tous ces mécaniciens parce qu'on veut les mettre en avant. Et ce monde du camion, il est à la recherche hein, de main-d'œuvre. Oui, on a dit tout à l'heure qu'on avait besoin de chauffeurs routiers. Mais il y a énormément de place à pourvoir dans la mécanique poids lourd. Donc, on ne saurait que dire et inciter les jeunes à se diriger dans cette voie-là. Le chômage, je ne connais pas. Ouais, ça, c'est clair. Allez. Toc, c'est fini pour Thomas Robineau et ça va être bon également pour Clément Perrin et son équipe. Clément Perrin, un projet vraiment familial hein, là aussi.
Oui, Clément, mais qui est, lui aussi s'est lancé par passion. Et depuis, il a commencé avec rien, il a racheté un camion et beaucoup d'implications. Et ces jeunes qui en veulent, ça fait toujours plaisir à voir. Et voilà l'équipe vainqueur, l'équipe victorieuse, Lionel Montagne qui claque la porte. Oh, il aurait pu gagner encore une petite seconde là, Lionel. En tout cas, superbe chrono évidemment. Maxime, Julien et Lionel, donc le trio qui s'impose dans cette épreuve mécanique. Belle deuxième place pour les mécaniciens du Lyon Truck avec Anthony et Janiek devant ceux du camion de course francilien. On se souvient qu'Aurélien Ergot avait réussi un très bon chrono en gymkhana. À la mécanique, c'est pas mal. Je pense que ça va payer hein, en termes du challenge. Oui, le challenge équipe du Grand Prix 24 heures, eh bien, c'est l'addition des deux. 2 minutes 22 pour Cyril et Bruno devant donc l'équipe numéro 3. La course 3 du championnat d'Europe va se disputer sur une piste détrempée. On l'a vu, hein, la pluie a fait son apparition. En pole position, le Tchèque Adam Lako, toujours très performant avec son Bugira Long Nose. J'aime quand il pleut, donc pour moi c'est une météo idéale aujourd'hui. Mais bon, c'est pas si facile et c'est assez dangereux dans la foulée du départ. On va voir ce que le directeur de course va décider, partir sous drapeau jaune ou pas. Mais j'espère que ça sera bon pour nous. Antonio est derrière moi, nous le verrons à l'arrivée et j'espère qu'il sera derrière. La deuxième place du championnat est en jeu entre Albacete et Lako. Norbert Kiss lui connaît un week-end très très difficile, zéro pointé pour l'instant. Ouais, ça pourrait aller mieux. Je ne suis pas satisfait de mon résultat en qualification. Je pensais faire mieux sous la pluie. Mais bon, ça a été impossible finalement. Donc je suis quatrième sur cette grille. C'est toujours mieux qu'hier. Mais il reste pragmatique. Départ pour un tour de formation derrière le Pace Truck. Puis un premier tour sous drapeau jaune. La moindre des choses évidemment dans ces conditions. Alors on parle souvent du camion long nose face à un camion cabine avancée. Fabien, ça change quand même quelque chose aussi sur le mouillé. Ah, surtout sur le mouillé. Là, c'est vrai que c'est un net avantage d'avoir un camion à capot et on le voit, c'est pas un hasard si c'est Adam Lako qui a réalisé la pole position. C'est un équilibre sur les freinages, sur la direction, etc. C'est beaucoup mieux à conduire, notamment sous la pluie. Ouais, le transfert des masses au freinage se fait beaucoup plus facilement. Allez, c'est le vrai départ donc à l'issue du premier tour. Adam Lako déjà quelques secondes d'avance sur André Courcim et Antonio Albacete. On va dire que maintenant dans ces conditions, faut pas prendre trop de risques. Il faut quand même essayer de se faire une place pour ne pas partir trop loin non plus dans la course numéro 2. Oui, tout à fait. Et puis ce départ qui est sous drapeau jaune et non sous safety, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de vitesse. Et on a vu que Adam Lako, lui, en a profité pour, au feu vert, prendre les devants. Il a un peu cloué tout le monde au poteau. Ah, c'est clair qu'il a bien pris l'accélération comme il faut. Allez, on voit le camion numéro 24, Fabio Citinola, le plus jeune pilote de ce camion et de cette compétition championnat d'Europe face à Jimmy Anderson. Il se fait un petit peu maltraiter là au volant de son Mercedes. Oui, là, ils n'ont peut-être pas compris le concept du drapeau. drapeau jaune, mais bon. Pour calmer les esprits, c'est ça. Mais, voilà. Ah, mais il est entouré de Britanniques aussi. Ça passe hein, pour Shane Brereton, sans contact. Hein. Évidemment, on les charrie, nos pilotes britanniques, mais ils sont là pour faire le spectacle aussi. Et ils sont habitués à ces conditions de piste. Oui, c'est toujours délicat. Hein. Regardez, même les grands champions, voilà. Alors, Kiss qui a des problèmes moteurs est moins en souffrance sur la pluie parce qu'on sollicite moins le moteur et la puissance. C'est plus en finesse. Et là, on voit que c'est très tendu entre les concurrents. Oh là là, c'est clair. Antonio là, c'était avec le camion numéro 23 qui a réussi à dépasser Courcim. Et c'est peut-être bon pour Norbert Kiss également. Attention dans ce virage du musée, c'est toujours intéressant à suivre. Oh, très propre, il a même tourné un petit peu et c'est pas forcément bien relancé, Kiss. Oui, après là, c'est l'avantage sera pour Courcim qui se retrouvera à l'intérieur, mais ça suffit peut-être à faire la différence. C'est toujours très tendu dans ce passage-là. Oh, il écarte un peu André Courcim pour forcer Norbert Kiss à partir de l'autre côté du vibreur. Ouais, c'est bon, c'est. Avec la pluie, on a l'excuse. On peut dire excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Ah, ça a glissé, chef. Ça a glissé. Ouais, mais alors attention, parce que là, dans le virage du raccordement, ça risque de faire des étincelles. Le freinage de Courcim qui écarte encore. Ah, bah oui, alors là, il envoie complètement valser Norbert Kiss. Eh oui, là, ça n'a pas forcément été une manœuvre très très propre, entre guillemets. Sacha Lenz désormais est revenu sur Courcim. Oh là là, les contacts qui sont légion dans ces conditions. Et qui va en profiter? J'ai l'impression que Jordan Hahn, le nouveau champion 2019, va prendre une place. L'expérience, une fois de plus. Ah,
Là, il a su être patient, c'est clair, à 3 tours du but. Norbert Kiss a malheureusement dû abandonner. C'est donc 0 point sur la course 1, 2 et 3. Il va falloir qu'il se rattrape, Norbert Kiss. Sinon, il va faire une très mauvaise opération au classement général. Et au tour suivant, regarde Fabien, le dépassement pour Jochen Hahn sur André Courcim. Ah oui, il n'a pas fait dans le détail. Oui, ça profite également à Lens, tandis que là on voit les marqueurs de pénalité qui sont, voilà, c'est strike, c'est direct. Il a tout eu, André Courcim, c'est parfait, c'est bon. Vous allez passer par le stand, monsieur. et donc, bien évidemment, c'est donc forcément pour l'instant la bonne opération pour Adam Lacaux, qu'on n'a pas vu de la course dans ce dernier tour. On aperçoit son équipier Oli James face à Steffi Halm. Oli James qui se bat dans le trophée Gramark, on l'a dit. Oui, il a une position qui n'est pas normalement la sienne. Il est plutôt bien placé, mais là, une fois de plus, la pluie, le camion à capot et sa nationalité anglaise doivent favoriser l'ensemble. Oui, ça c'est clair. Le camion 22, on devrait le retrouver bien placé sur la grille de départ de la course numéro 2. Son équipier est lui en tête devant Antonio Albacete, mais le boulevard a été creusé là vraiment entre le deuxième et le troisième. Comme il y a eu bagarre derrière, c'est vrai que ça a profité aux deux premiers qui ont pu s'échapper beaucoup plus facilement que d'habitude. Et donc Adam Lacaux qui se dirige pour l'instant vers une deuxième victoire cette saison et surtout 5 points importants dans l'optique du championnat de reprise sur Antonio Albacete. Il ne se lâche pas, hein, les deux pilotes. Oui, comme en France, on voit que la deuxième place, enfin le podium final est très disputé. Si la première s'est jouée, rien n'est encore joué sur les places qui suivent. Ben oui, allez, dernier virage, le virage du raccordement pour Adam Lacaux, un pilote qui a roulé en voiture auparavant et qui a fait ses débuts en camion il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Adam Lacaux qui était très très jeune d'ailleurs quand il est arrivé en championnat d'Europe et qui célèbre sa deuxième victoire de la saison devant Albacete et Jochen Hahn qui monte une nouvelle fois sur le podium. Troisième place pour le champion 2017 et le nouveau sextuple champion en Europe en catégorie course de camion. L'arrivée donc a été célébrée et la joie dans l'équipe Bugira ainsi que dans l'équipe de Jochen Hahn. J'essayais de rattraper Adam, mais c'était très difficile. J'étais parfois le plus rapide, parfois c'était lui. Mais bon, c'est OK pour nous. On continue de se battre pour la deuxième place du championnat et c'est le principal. L'hymne tchèque en l'honneur d'Adam Lacaux qui s'impose donc devant deux autres champions. Un podium 100% champion sur cette course. Et le champagne qui coule à flot, évidemment. On va découvrir le classement de cette course numéro 3 avec Adam Lacaux. 5 secondes d'avance sur Albacete, 23 secondes 9 sur Jochen Hahn, Sacha Lenz, André Courcim, Steffi Halm, Oliver Jens et Jamie Anderson complètent le top 8. C'est la pole dans la prochaine course pour Anderson. Allez, on enchaîne Fabien avec la quatrième et dernière course au Mans de la manche française du championnat d'Europe. Grille inversée, on l'a dit, pour les 8 premiers de la course numéro 1. On retrouve donc Jamie Anderson avec Oli James, une première ligne 100% britannique. Deuxième ligne composée de Steffi Halm et André Courcim. Sacha Lenz et Jochen Hahn se partagent, eux, la troisième ligne. C'est la troisième fois cette saison que je suis en pole par l'inversion de la grille. C'est une bonne expérience, ça s'était plutôt pas mal passé en Italie pour moi. Et pour cette quatrième et dernière course du championnat d'Europe, la pluie a cessé, la piste est sèche. Anderson et Jens prennent un plutôt pas mal départ, mais sont peut-être bien attaqués, oui, par la deuxième ligne, hein, les deux Iveco de Steffi Halm et André Courcim. Attention, premier virage. Oui, on a vu, hein, c'est arrivé à 3 de front, hein, donc jamais facile au premier freinage. C'est clair, il faut vraiment rester très très calme. Oli Jens, qui n'est pas habitué à être à l'avant du peloton, s'est déjà fait déborder par Steffi Halm. Oh là là, mais il a raté une vitesse, c'est pas possible. Où se trouve-t-il? On est derrière le drift de Norbert Kiss. Où est-il passé, Oli Jens? Ah ouais, là, il s'est complètement loupé sur le départ. Et comme tu le disais très justement, il faut beaucoup d'expérience et beaucoup d'habitude. Et puis là, il s'est complètement fait déborder. Départ totalement raté par Oli Jens. Ah oui, et puis je crois qu'il y a eu une erreur aussi pour José Rodriguez qui est passé par le bac à gravier. Klein Nagelvort également. Oh, Citinola et René Reinhardt. Ouh, je crois que ça va taper là pour René Reinhardt. Ouais, pas un bon week-end, hein, pour René Reinhardt une nouvelle fois. Il est venu heurter les pneus, il est parti en travers, il est venu heurter les pneus. Alors c'est spectaculaire, mais vous voyez, il n'y a rien, hein, il n'y a absolument rien, mais c'est quand même toujours très spectaculaire. Citinola, dans l'herbe, hein, je pense qu'il ne pouvait rien faire. Hein. Il n'était pas vraiment au bon endroit, on va dire. Et ce qui tape le camion de Reinhardt, c'est qu'il vient toucher la pile de pneus, donc ça n'arrange rien. Mais bon, c'est spectaculaire, mais une fois de plus, pilote indemne et personne, bien sûr, touché, puisque les règles de sécurité sont très strictes.
direct. Bon, eh bien c'est parfait. En tout cas, c'est ce qu'on veut voir justement du spectacle. Pas forcément de contact, évidemment, mais surtout pas de blessure. On rappelle que de ce sport camion, on ne dénote aucun pilote décédé. Non, ni décès, ni blessures graves. C'est réellement le sport automobile, l'un des sports automobiles les plus sûrs de la planète. Attention avec Sacha Lenz, il le sait qu'il est en sécurité, il va déborder Jimmy Anderson ici même dans ce virage DS bleu. Quelle attaque et quel freinage surtout pour Sacha Lenz qui pourrait bien se diriger vers une victoire. Ça lui était déjà arrivé ici au Mans, et bien peut-être bis repetita cette année. Attention parce que derrière il y a l'Allemand Steffi Halm qui essaye également de prendre l'avantage sur Anderson. Et c'est pas simple hein, de prendre l'avantage, on aperçoit quelques dégâts même sur le camion de Jöran Hahn. Alors en quoi sont faites ces petites matières là justement? C'est de la fibre de plastique, enfin c'est pas, y a pas de, c'est juste pour habiller, mais il n'y a pas de problème quand on perd un morceau comme surtout là qu'il ne pleut pas, l'aile vient couvrir la roue et les évacuations d'eau, donc aucun problème ici. Oui, c'est du côté esthétique on va dire, c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand ils sont habillés hein, ces camions. Et pour l'instant on va dire que ça tient devant, mais là pour Steffi Halm c'est pas mal du tout, elle doit regarder dans ses rétroviseurs Jöran Hahn et peut-être pas forcément devant face à Sacha Lenz, ça va être difficile de revenir. Oui, et puis on a vu Anderson qui s'est complètement écroulé, maintenant il est dans la fin du peloton, on voit bien qu'il faut le bouchon, mais dès que le bouchon saute, tout le monde passe. Il y en a un qui l'a aidé je crois à sauter, c'est Shane Brereton avec le camion numéro 17, le camion violet, juste devant Norbert Kiss, il est loin Norbert Kiss mais il a réussi à bien remonter quand même. Et ce sont les Anglais entre eux, ils aiment bien s'amuser. Ils se titillent. Il y a un championnat d'Angleterre aussi. Oui, tout à fait. Il y a un championnat assez similaire au championnat de France. Championnat de France, championnat d'Angleterre, championnat d'Europe évidemment. Donc beaucoup de camions dans ces compétitions et sur ces différentes pistes d'Europe. On est content vraiment de vous le proposer sur la chaîne L'Équipe et on voit que le spectacle est au rendez-vous. Norbert Kiss qui se défait de Jimmy Anderson et la lutte pour l'instant après 6 tours entre Steffi Halm et Jöran Hahn dans le cadre de cette dernière course du championnat d'Europe. On ne se fait pas de cadeau entre Iveco, hein. Tu vas nous le confirmer Fabien. Non, pas de consigne de course. On voit pour l'instant les trois Iveco aux trois premières places et c'est vrai que c'est le jeu, c'est la bataille et on y va. Et oui, on y va et là elle a bloqué un peu les roues Steffi Halm et elle s'est fait déborder par Jöran Hahn à l'intérieur de cette chicane Dunlop. Ça a été une belle manœuvre de la part de l'Allemand face à sa compatriote et ça passe donc pour le gain de la deuxième place. Et derrière, attention avec notre pilote du camion numéro 17, Shane Brereton, qui doit voir Norbert Kiss derrière lui. Ah, Norbert Kiss qui rentre au stand. Eh bien, je te l'annonce Fabien, ça sera zéro pointé pour le Hongrois. Alors là, il va perdre des places. Ouais, un problème de vraisemblablement de direction et associé à un problème moteur. Enfin, que des problèmes sur... Là, on voit le moteur. Même, voilà, ouais. Le moteur est dans le sac. C'est le turbo qui a pris feu. On a vu des flammes sortir du camion. Mais bon, les services de secours sont arrivés assez vite. Mais nous qui étions à ce moment-là en cabine de commentateur, on a vu des flammes sortir du turbo. Mais ça a été maîtrisé assez rapidement. Plus impressionnant que grave, on a bien compris quand même que Norbert Kiss a vu qu'il se passait quelque chose derrière. Il faisait des signes. Et c'est la victoire. En tout cas, dans cette quatrième et dernière course du championnat d'Europe ce week-end pour Sacha Lenz devant son ami et compatriote Jöran Hahn. Et la troisième position, elle est pour Steffi Halm. Je suis vraiment très heureux, c'est génial de gagner ici au Mans. J'ai pris un bon départ, j'ai gagné une ou deux places, je sais plus, mais j'ai eu l'opportunité ensuite de doubler Steffi, qui a été vraiment très très fair play, je dois dire. Bientôt plus tard, je me suis attaqué à Jamie, qui a également été beau joueur. Et à partir de là, j'ai pu exprimer mon style, j'ai pu attaquer, je suis si content, c'est bon de gagner ici, c'est vraiment parfait. Je n'étais pas assez rapide en début de course, j'ai essayé de trouver le rythme, mais c'était vraiment très difficile avec le comportement du camion. J'ai directement perdu une position contre Sacha, puis j'ai commis une erreur et j'ai perdu une autre place face à Jöran, mais bon ça va. Et oui, podium 100% allemand, Lenz est le troisième meilleur performeur du week-end avec 39 points, 46 pour Hahn, 44 pour Lacco, qui font le plein d'unités. Hahn, meilleur performant, on vous le disait, logiquement sacré champion d'Europe. Lacco reprend 6 points sur l'ensemble du meeting face à Albacete, 3 points, sépare donc désormais les deux hommes avant Jarama. Ça va être très serré. Les 24
24 heures camion 2019 à suivre sur la chaîne L'Équipe. Dernière ligne droite puisque nous sommes en place pour suivre la quatrième et dernière course du championnat de France. On connaît le principe, grille inversée pour les 8 premiers de la course numéro 3. On retrouve donc Yvan Rodriguez en pole aux côtés de son équipier Raphaël Souza. Une première pour les jeunes de chez VTR. Une grosse pression parce que c'est vrai, je ne m'attendais pas à faire une pole dès la première année. Je ne m'attendais pas du tout. Et en plus, au moment où tout le monde roule vite, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment très stressant. On le sent, le stress hein, dans l'habitacle du camion numéro 94. Les jeunes commencent vraiment à percer et ça, c'est bon pour le sport camion, Fabien. Oui, nous avons la chance en France d'avoir plus de 9 jeunes, donc c'est vraiment le renouveau du championnat et on voit que ça pousse bien. Oui, alors ça pousse même trop parce que le pauvre Yvan Rodriguez s'est fait complètement enfermer. Il a raté son départ, il n'a pas fait assez quoi, chauffer le turbo ou en tout cas mettre le turbo en pression. C'est un exercice le départ et c'est vrai que c'était son premier comme ça en pole et il y avait de la pression. Il a pas su réagir exactement. On voit que les pilotes avec un peu plus d'expérience s'en sont mieux sortis. Ah oui, et puis après il est complètement perturbé le pauvre Yvan Rodriguez. C'est pas vraiment de son fait hein, j'allais dire, mais il zigzague un petit peu. Il est allé toucher Thomas Robineau qui lui est allé toucher Yorick Montagne. Ah, il se trouve à une place qu'il n'a pas l'habitude d'occuper. Oui, et puis là bon, Robineau il a quand même sorti à l'extérieur pour éviter l'accrochage. Bon, il rentre pas forcément sa position, mais en tout cas on n'a pas eu de gros choc au départ. Oui, et puis là il continue Yvan Rodriguez sur Lionel Montagne. Attention, là c'est compliqué. Il a un petit A hein, qui prouve bien que c'est un pilote rookie qu'il débute, mais c'est vrai que c'est pas simple hein, dans ce peloton de camions et dans cette meute de fous furieux de se trouver une place. Il l'a dit, hein, il n'espérait même pas pour sa première saison faire une pole. Bon, maintenant voilà, c'est passé, il va peut-être avoir d'autres occasions de performer. Oui, il faut de l'expérience et puis il n'y a pas de secret, il faut rouler. Et voilà, et ça roule bien pour Anthony Janiek qui se défait de son équipier Théo Calvet qui a été fair play encore une fois et qui lui doit surtout résister à Thomas Robineau parce que c'est cette lutte hein, pour la deuxième place entre le camion jaune numéro 20, le camion rouge numéro 2 et le camion vert et blanc numéro 3 de Lionel Montagne. Là on voit bien qu'il n'y a pas de consigne d'équipe hein, parce que le jeu aurait été de protéger Théo et là on voit bien qu'il n'y a aucune consigne d'équipe, c'est chacun pour soi et là c'est très net sur ces images. Mais c'est clair puisque Anthony Janiek vient de se défaire de Greg Ostasevski, alors il a peut-être ouvert un peu la porte pour Théo Calvet avec Greg Ostasevski toujours rugueux. On se souvient qu'il y a quelques années ils étaient même venus se titiller les deux pilotes, mais en tout cas c'est de belles images qu'ils nous offrent et attention parce que derrière ça klaxonne hein. Thomas Robineau est très très proche du camion numéro 20. Ben, c'est toujours un peu le risque quand on vient se frotter au camion de devant, et bien celui de derrière, et Robineau est quand même un pilote, un grand pilote d'expérience, et il voit ça, il surveille ça de très près parce que la moindre erreur numéro 20 pourrait lui profiter, il pourrait ainsi gagner une voire deux places. Et c'est clair, donc là on sait qu'il est extrêmement expérimenté évidemment à Thomas Robineau, Théo Calvet commence à en avoir de cette expérience et derrière on aperçoit les deux Renault, un Renault T à gauche de l'image et un Renault Premium à droite, c'est le camion numéro 21 de Raphaël Souza qui lui aussi fait une bonne performance. J'ai l'impression qu'il prend vraiment de l'expérience à chaque meeting. Oui, Raphaël maintenant c'est sa seconde saison, il acquiert de l'expérience à chaque course et il s'est quand même un peu assagi aussi, mais bon, face à un grand champion comme Lionel, toujours difficile hein, palmarès vierge par rapport à un double champion de France, on est toujours un peu intimidé. Oh là là, attention, lui aussi il est intimidé par Franck Conti peut-être, c'est Patrick Châtelain, ça fait des années hein, qu'il est dans ce peloton en camion et pour autant eh bien, il se bat toujours face à ses adversaires préférés, Franck Conti et son Volvo. Oui, tout à fait, Patrick, une des piliers des courses de camion, il a commencé en 95 mais notamment sur ce circuit du Mans où on se rappelle d'un très gros accident très impressionnant, mais Patrick un fidèle et qui est toujours là, un des plus passionnés de tout le plateau. Ah, c'est clair, et Franck Conti également qui a commencé en 97. Et puis derrière, on a aussi Martial Defaille. Bref, on a vraiment la garde rapprochée du championnat de France. Hein, quand il n'était encore que coupe à l'époque, eh bien, ils nous ont régalé. Ils continuent pour les places aux alentours du top 10. C'est ce qui est beau aussi dans les courses camions, c'est qu'on s'intéresse à la bagarre en tête, et notamment avec l'affrontement entre Greg Ostasevski et Théo Calvet. Mais on voit que derrière, ça se bagarre aussi. Oui, il y a toujours 2-3 groupes dans toutes les courses. C'est ce qui fait le plaisir du public. Et de toute façon, s'ils viennent en nombre, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Hein. Et nous aussi, donc ça tombe bien. Attention, Théo Calvet qui s'est se met à l'extérieur. Il faut quand même avoir un petit œil sur le camion numéro 2 parce qu'il pourrait peut-être en profiter. C'est ça qui est compliqué en même temps, hein. C'est que de tenter une attaque sur le pilote qui vous précède peut peut-être ouvrir la porte à celui qui vous suit. Mais rappelons que la vitesse de pointe est limitée à 160 km/h, donc les règles sont les mêmes. Donc vous pouvez faire juste au freinage ou bien se positionner,
prendre une meilleure ligne pour mieux ressortir. Mais on le voit, regardez, c'est extrêmement serré et l'intimidation est au maximum. Quoi. Ah, c'est clair, surtout qu'on a de tout petits rétroviseurs. Est-ce qu'il y a quand même des rétroviseurs LED dans le camion? Alors, il y a une caméra arrière plus les deux rétroviseurs, parce que comme c'est serré, il arrive que les cabines se touchent et le rétroviseur dégage. Donc, on reste avec la caméra derrière de façon à avoir une vision sur les personnes qui vous suivent. Oui, LED ou LCD, hein, j'ai mélangé les acronymes. En tout cas, oui, on a une vision quand même derrière. Et pour l'instant, eh bien, cette vision, il l'a. Greg Ostasevski voit bien le jaune de Théo Calvez, que ça va passer. Alors, il n'a pas forcément intérêt à prendre trop de risques non plus, hein, Théo, parce qu'il faut scorer des points. Et en cas d'accrochage entre lui et le 14, c'est forcément le camion numéro 2 qui pourra en profiter. Il faut rappeler quand même que le 14 et le 20 ont un autre enjeu, hein, c'est le titre de champion de France junior. Et c'est vrai que les deux sont à la lutte pour ce titre, donc il n'y a pas de cadeau. Et c'est pour ça que Grégory ne lâche rien. Il est actuellement second dans ce classement junior. Donc, c'est vrai que. Il y a beaucoup de tension entre les deux garçons. Ouais, c'est clair, on le comprend bien et il n'a pas lâché. Greg Ostasevski, attention face à Théo Calvez et Thomas Robineau juste derrière. Ouais, il est mieux placé là, Théo. Mais attention parce que oui, là ça y est, il a bien compris qu'il fallait pas faire de cadeau, Greg Ostasevski. Et ça va peut-être même passer derrière pour Thomas Robineau parce que Théo a beau jeu évidemment écarté un peu le Polonais pour lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est-à-dire il s'est fait tasser dans le virage précédent. Ouais, c'est clair. Ça a été très net à l'image. Donc à un moment il dit je vais rien lâcher. Et en effet, eh bien, peut-être le manque d'expérience, mais on voit que le Polonais s'est fait attraper à son propre jeu parce que lui, Thomas Robineau, hein. Voilà, il a plongé dans le trou, c'était fait. Peut-être excès de confiance de la part du Polonais, mais en tout cas, très mal manœuvre du 20 et du 2. Ah, on a vraiment apprécié cette bagarre et on l'apprécie toujours. C'est l'expérience qui rentre pour Greg Ostasevski, le pilote polonais qui est bien encadré, on vous le disait, par le team du Calvados, hein, le team 14 de Dominik Kolov, un team historique lui aussi. Oui, tout à fait. Et on voit que dès que le bouchon saute, eh bien, les concurrents prennent un peu d'espace, prennent un peu d'air, hein, comme on dit, ils viennent respirer, on se concentre sur l'avant et on est moins tenté de regarder ses rétroviseurs, d'où un rythme accéléré. Et belle performance aussi, hein, de l'équipe Aravi Racing avec Lionel Montagne et Yorick Montagne qui se suivent. C'est évidemment Jean-Loup Fournier qui va être content évidemment de ce résultat. Nouveau tour, les encouragements sur le muret des stands, les pilotes ils le voient, hein, que ce soit dans les tribunes ou sur le muret des stands. On aime quand on est pilote, Fabien, avoir cet encouragement. Oui, c'est clair, on voit, alors même si on est très concentré sur la piste, on voit les mouvements de foule, on voit que ça réagit. Et là, avoir un triple champion de France juste dans ses roues, autant dire qu'il ne faut pas se déconcentrer. Non, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Ah, c'est l'expérience qui rentre, on sait qu'à Charade il avait réussi à résister face à Thomas Robineau. Thomas sait évidemment qu'il n'a aucun intérêt non plus à aller jusqu'au contact. Donc voilà, il y a du respect entre ces pilotes, mais il faut quand même y aller. Hein. N'oublions pas qu'ils sont là par contre au classement général en lutte pour cette deuxième place. Alors actuellement, Robineau quelques petits points d'avance. C'est vrai qu'en dépassant Théo, eh bien, il a accentué cette différence, mais tout reste à faire, hein, puisqu'on ne connaîtra vraiment le second et le troisième du championnat que lors de la dernière course à Albi. Ah oui, c'est clair. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire le déplacement parce que cette finale s'annonce explosive et généralement on a beaucoup de spectacles, hein, à Albi sur le très beau tracé Tarnay. Allez, les concurrents qui se mettent sur le côté, c'est David Michelin sur son camion numéro 76. Et puis juste avant, on a un lycée, le lycée Béjuy avec Pierre Parsus. Les lycées qui font bonne figure, hein, vraiment. Oui, très belle année avec 5 camions présents, 4 lycées engagés. Il y en a d'autres qui sont en train de préparer des projets. Donc ça aussi, ça fait partie de la jeunesse et du renouveau que nous allons bientôt pouvoir apprécier en piste. Et plus il y aura de lycées, mieux ce sera. Peut-être à la fin, nous pourrons même faire une coupe des lycées à part entière, qui sait. Ah, ça serait vraiment parfait. En tout cas, on a vu que le camion numéro 6, très bel effet, hein, aussi, et très belle déco de Guillaume Martin. C'est l'effet de Jean-Philippe Dulac, les deux professeurs, le MAN numéro 6 et l'Iveco numéro 32. C'est Toulouse contre Chalon-sur-Saône qui se bat juste derrière Jennifer Janiec, notre féminine. Et puis on a également donc le camion numéro 9. Oh, attention, Fabrice Chéniaud. Oui, ça a été une belle dérive de la part de Jean-Philippe Dulac. Et Jean-Philippe Dulac, pour la petite histoire, qui est professeur de Théo au lycée Galliani. Eh ben, il lui apprend à bien conduire. En tout cas, c'est parfait. Théo Calvez qui va donc passer à la ligne pour une nouvelle fois. Le dernier tour donc a été ouvert par le leader Anthony Janiec. Théo Calvez, Thomas Robineau suivent. On a Greg Ostasevski et Lionel Montagne toujours là, mais un tout petit peu moins en réussite qu'à Charade.
Oui, c'est vrai. Ben là, c'est pas les conditions mouillées qu'il y avait en début. Là, c'est plutôt roulant. C'est vrai qu'il est peut-être un petit peu moins à l'aise. Peut-être il n'avait-il pas choisi les réglages adéquats à la météo. En tout cas, pour l'instant, un duel mano à mano entre le 20 et le 2, passionnant. Ouais, passionnant. On va arriver d'ailleurs sur quelques pilotes qui sont extrêmement sympas aussi dans le championnat. Le camion de Pierre Huel qui nous vient du camion cross, lui. Oui, c'est un transfuge et on est très content de l'avoir ici sur la piste. Cette année, il fait la saison complète en camion de course. Et bon, il était là après en voisin, hein, puisqu'il est de la Bretagne. Il y avait beaucoup de Bretons dans les tribunes et il a été grandement encouragé. Oui, mais pas épargné par les difficultés. Il s'est fait un petit peu harponner par certains de ses concurrents, lui qui voulait garder son camion en bon état. Bon, la prochaine fois à Albi, ce sera encore mieux. Allez, en tout cas, dans ce dernier tour, ça continue, hein, cet affrontement entre Théo Calva et Thomas Robineau. On rappelle, hein, Fabien, qu'il n'y a pas de phénomène d'aspiration, donc c'est ça l'intensité des courses camions aussi. Non, voilà, comme la vitesse est limitée à 160, tout le monde arrive à 160 quasiment en même temps. Donc on ne peut pas avoir d'aspiration, on ne peut pas jouer, c'est vraiment sur les freinages et on le voit là, c'est très 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 serré. Il y a du refroidissement sur les freinages de Thomas Robineau. Voilà, exactement, la vapeur d'eau que vous voyez sur l'avant, c'est qu'on vient énormément solliciter les freins, donc on a une différence de température, on le voit sur tous les véhicules, et c'est vrai, c'est toujours très serré. Et là, surtout, ben, quand on est à la lutte comme ça et qu'on revient sur les concurrents sur qui on prend un tour, il faut toujours avoir une grande attention pour éviter l'accrochage ou la faute d'inattention du concurrent qu'on viendrait dépasser. Et parfois, Fabien, on peut profiter aussi du dépassement d'un retardataire pour justement prendre une position. Pour l'instant, c'est pas le cas. Théo Calvet maintient sa deuxième place derrière cet homme, Anthony Janiek, qui va quasiment nous faire le carton plein ce week-end. Il est parti pourtant du mauvais pied avec un problème sur son train avant et c'est la victoire donc pour Janiek, qui était tranquille le week-end, qui avait débuté par des soucis mécaniques le samedi en qualif. Il a su, tout comme son équipe, parfaitement réagir. Dernier virage également pour Théo Calvet, qui termine devant Thomas Robineau. Mais le grand vainqueur, on l'a dit, c'est donc lui, Anthony Janiek, camion fluo, et qui fait encore un grand pas. Il a même évité un marqueur, tiens, pas si c'était fait exprès, mais en tout cas il fait un grand pas vers le titre, Anthony Janiek, évidemment. Et le petit coup de klaxon pour célébrer sa victoire et la victoire donc de toute l'équipe Lyon Truck Racing. C'est une belle performance également de la part de l'équipe Robineau. On a donc ces deux formations qui se battent. On n'oublie pas non plus Aravi Racing, évidemment. Et on va écouter le grand vainqueur, Anthony Janiek, tout sourire, évidemment, après cette victoire. Une nouvelle victoire ce week-end. C'est pas parti comme il fallait, j'allais dire, hier. Mais finalement, le bilan du week-end est quand même très, très positif. Ouais, je pense que ça nous a fait du bien, ça nous a remué un petit peu samedi matin. Et on a commencé avec quelques handicaps. Ça fait toujours du bien de savoir que rien n'est jamais gagné d'avance. D'ailleurs, on le dit toujours, on boucle le week-end parfaitement. Normalement, au niveau des points, on doit remporter les 24 heures camion. Et ça, je crois que c'est la première fois que je vais pouvoir mettre ce titre, cette coupe sur l'étagère. Pour la première fois de ma carrière. Et oui, il rejoint un certain Fabien Calvet, vainqueur en 1996. Le trophée 24 heures, donc, au cumul des 4 courses, évidemment, la moyenne des 4 courses. Mais il y a d'autres classements qu'on va évoquer d'ici quelques instants, Fabien. Nouvelle victoire, en tout cas, pour Janiek, confirmation. Théo Calvet, de nouveau sur le podium, devant Thomas Robineau. Très belle course de Greg Ostasevski, devant la famille Montagne. Lionel, devant son fils Yorick. 4 points séparent désormais Robineau de Calvet dans la lutte pour le titre de vice-champion. Finale explosive à Albi. On découvre justement ces points. Ah oui, très très peu de points d'écart. Lionel Montagne a encore une chance, hein, d'être vice-champion. Il ne faudra pas l'oublier. Oui, comme en championnat d'Europe, on voit que c'est serré. Et Fabien, on clôture ce résumé avec l'ensemble des différents trophées. L'épreuve mécanique revient au team Aravi. La meilleure féminine, Jennifer Janiek. Le meilleur jeune, mis à l'honneur, Raphaël Souza, devant Yvan Rodriguez et Clément Perrin. On a le trophée pilote 24 heures avec Anthony Janiek. Donc au cumul des 4 courses, 3 victoires et une 4e place, c'était ce qu'il fallait faire. Le challenge équipe 24 heures, camion de course francilien avec Aurélien Ergot, le pilote vainqueur du Gymkhana. Son équipe a fait le podium en mécanique. Bref, un très bon week-end. Et puis le lycée Guillaume Martin et le lycée Gamy Dugast qui s'imposent devant les Toulousains et les natifs d'Alençon. C'est ainsi que se conclut cette 35e édition des 24 heures camion. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Elle était exceptionnelle en tout point, notamment avec le titre pour Johan Hahn.
le sixième titre de champion d'Europe pour Jørgen. Jørgen, une vraie histoire d'amour avec ce circuit des 24 heures. Il rentre dans l'histoire. C'est quand même phénoménal. L'histoire qui pourrait également être marquée par Anthony Janiek qui prend une option vers le titre de ce championnat de France. Réponse dans deux semaines à Albi. Merci beaucoup pour ton expertise, Fabien. Avec plaisir et à très vite. On se retrouve bien sûr pour d'autres résumés sur la chaîne L'Équipe. Allez, salut.